Bonsoir. Comment ça va tout le monde? Alors attendez. Bonsoir. Comment vous allez tous? On est accueillis par les petits grillons de métro. Hello à tous. Alors, let's go. Je pense que je vais juste baisser un chouïa el sando because it's a little bit too fort. Hein. Ça va, nickel. Alors, t'as commencé holo? Il est génial, ce jeu. Hop là, voilà, là, on s'ennuie. Let's go. Comment ça, new game? Comment ça, c'est en anglais? Quoi? J'ai demandé French. French. Voilà, le truc, il... Ah bah. La Venise souterraine. Bonsoir. Ça va au niveau une du son? Sur les eaux sombres de rivières souterraines. Bonsoir à tous. Les rumeurs qui circulent à son oh sujet... Oh non, je dois refaire ça? Il paraît que c'est un repère de... Ou voleurs. Le mec, il est vraiment mort. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Moi, les développeurs ont pris de la drogue. Non, juste des banana split un peu trop alcoolisés. Mais je dois aussi découvrir les plans de Corbut pour pouvoir les transmettre. De Corbut, let's go. J'ai envie de faire du feu avec mes mains. Venez, on va faire un stage de survie. On dirait qu'on a réussi. Ah, il est pas mort. Ça me saoule. T'en penses quoi de nos poissons locaux? Mais en fait, j'aurais bien aimé que tu crèves, parce que je t'aime pas trop, en fait. Comme si quelqu'un avant nous les avait énervés. Oh, on peut pas le tuer sur une île déserte. Let's go! J'aimerais trop, ça serait trop bien. J'ai hésité à m'inscrire à Koh-Lanta. J'ai eu... genre jusqu'au dernier jour, j'ai hésité. L'année prochaine. Pour me simplifier la vie. Mais les développeurs ont pris des banana split avec de l'alcool. Bonsoir Skalala, comment ça va? Mais je suis une fille, mais dans un corps d'homme, je suis emprisonnée, monsieur. Regardez, je vous offre un poisson. Ce serait trop kiffant. Je suis ni habillée en noir et j'ai pas encore ma faux. Je suis un bébé mort. J'aimerais bien avoir une faux et faucher les gens. Moi, ça fait des années que je m'inscris à Pékin Express, mais en vain. Mais vas-y, mais il faut pas être deux pour s'inscrire à Pékin Express. J'ai été sauvé par ce gars, Artyom. Ravi de te rencontrer, Artyom. Merci du coup. Moi, j'ai un avantage. Genre, on voudra forcément me prendre parce que je suis un mini Moïse. Ils vont se dire, comment elle va faire? Elle fait moins d'un mètre vingt. Comment elle va faire pour faire cette épreuve? Bah écoutez, messieurs, dames, j'ai développé un exercice de qualité. Ça s'appelle flexion, extension vers le haut. D'abord, on détend les jambes et ensuite on les retend. Et techniquement, ça peut m'emmener très loin. Tu peux t'inscrire aussi tout seul. Ah, et du coup, ils te mettent avec un petit collègue? Je veux pas de problème. Tu vas manger toutes les rations de riz. En vrai, je pense que je peux Simon. J'ai de la réserve, je peux me contenir. T'as une tenue de Ada Wong, c'est mieux qu'être habillée tout en noir. C'est vrai, ça fait Ada Wong. Bah, c'est juste une robe rouge. Qui est avec toi? C'est Artyom, le fléau des crevettes. Le fléau des crevettes, c'est moi. Putain, je suis passé de pourfendeur des dragons dans Elden Ring à fléau des crevettes. Tu pourrais m'aider à éliminer des sales mecs. Ah là 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 là. Les réductions de salaire, c'est grave, hein. Tu commences à me saouler. Qui s'est inscrit seul aussi. Mais du coup, t'as plus de chances d'être pris quand vous êtes deux, non? Ou je sais pas. Oh. Tu vas gagner car les autres vont mourir de faim. Exactement, c'est mon but. Très classe, là, madame. Merci. Dans la remake, elle n'a pas de robe rouge. Si, elle a une robe rouge. Si, elle a une robe rouge. Moi, je la connais avec une robe rouge. Genre, c'est une robe pull. Vous mettre contre le mur plutôt que de rester au milieu de la voie. Mais va te faire cuire un œuf. La voie, elle est assez grosse pour toi et moi. T'es pas obèse. T'as un cul tout plat en plus. Genre, ou alors, ça veut dire que je peux pas avoir mon cul, mais ça se trouve, j'ai un boule de ouf. Ça y est, je pense que Artyom a un boule de ouf.
Ils ne veulent pas. Bah vas-y, viens, on s'inscrit en duo et tu précises que je sais pas parler bien le français. Je fais des blagues de merde, je suis sûre que ça va leur plaire. Bonjour, je m'appelle Leslie et je m'inscris pour P4Fest. Mes avantages dans cette aventure, je parle anglais comme une vache espagnole. Où est-ce que je pourrais trouver du pain? J'aimerais qu'on ait plus de visiteurs comme toi. Si, c'est sa couleur à Ada, le rouge. Non, c'est ma couleur. Le rouge et le noir, c'est ma couleur. Ada, elle m'a juste copié. Je parle le France. Ah, j'ai cru qu'il faisait pipi dans l'eau. Voilà, alors, on va faire les JO cette année, on va faire les JO à Paris. La scène est très propre. Enfin, plus propre que d'habitude. Ne faites pas attention aux poissons morts, c'est de la décoration. Oui, c'est comme ça qu'on décore à Paris, avec des porcs. Ah, ou peut-être qu'on est à Venise, mais le Venise d'après-guerre, quoi. Hein. Je parle le France. Je suis portugaise, prenez-moi là. Laissez-moi m'inscrire. Moi, je pense que ça devrait passer. Alors, attendez. Je peux pas m'asseoir comme je fais d'habitude, donc je vais faire un tailleur classe. Voilà. Ça devrait le faire comme ça. Normalement, tout devrait bien se passer. Je vais prendre un petit coussin et le mettre là. Voilà. Comme ça, il n'y a aucun problème. Je suis chaud où, moi? Je sais quoi, genre j'ai perdu le... Il est bourré, lui? Il y a des gars ici ou pas? Vous avez vu le scandale sur... En parlant de Paris et des JO, vous avez vu le scandale, là? Genre, ils ont augmenté les prix et il y en a, ils ont genre même... Genre monté le prix x10 des logements. c'est des fous. Les chambres d'hôtel, ouais, c'est ça. Les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes et de compagnie. Chut, ça va, mon cousin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu mon nounou. Oh, il me saoule déjà à pleurer, lui. Donne-moi la marchandise. C'est des rats. Ah oui, c'est... Alors déjà, là, on est sur des gros rats. Un gros rat Saras. Mais alors, à Paris... pas trop envie de d'aller au chantier. Je peux pas trouver l'ours et le foutre dans la gueule du môme. Laisse-moi passer, bordel. Mais Nick Daras, t'es qui, toi? Ouais, je préfère. Les règles sont simples. Des grenades incendiaires. Cible à temps. Non, mais j'ai pas envie de faire... Mais non, mais... Pourquoi ils sont tous chelous? Bonjour, j'aimerais vendre ces balles-là, parce qu'elles me servent à rien. Bah, je vais aussi vendre celles-là. Et je vais vous en acheter deux. Non, vous ne pourrez pas en porter plus. Essayez autre chose. Vous m'agacez, monsieur. Ces balles sont super. J'ai jamais eu de problème avec. Ok, si j'ai cru. Vous avez besoin de moi. D'ici, on dirait que le nuage vert il sort des fesses du monsieur. Voilà. Elles sont sacrément puissantes. Que diantre. Je les ai testées moi-même. Tu as payé donc. Oh non, c'est trop tard. Allez, je le donne de mon cœur. Moi, je suis pas comme. Je suis pas une parisienne, hein. J'augmente pas le loyer là. Moi je le diminue. Mais en plus t'as grave le choix comme ça de qui tu prends dans ton hôtel. Ne fais pas. Prends les plus riches. Oh, je peux voler? Je peux voler? Ouais, non, je veux voler, je veux pas regarder. Excusez-moi madame. Wow, je vais regarder vos chaussures. Vous avez des belles chaussures. Oh! Le alors, talon est magnifique. Bon, on va regarder la tête maintenant. Remue-toi, mémé. Mémé, comment t'oses dire? C'est ça. Ah ouais, par c'est contre, la physique sur les seins, ils se sont donnés là. Comment on sort? Je sors. Eh ben génial. Oh là là, non mais déjà dans le non, c'est dans le premier où j'avais dit qu'ils avaient mieux modélisé les seins que les gens. Adresse-toi à ton Mac, dégage. On a pas de Mac ici. Crache le pognon. T'es malade? Ils sont amis avec Kisly? Kisly, c'est moi. T'en es certaine? Super.
Je vais devoir servir ses amis gratos et je devrais lui filer... Très bien, on s'est bien amusé, il est temps de bosser. Pourquoi j'espionne les mecs? D'abord, on fait Kisly, et tu vas vite voir le camarade. Oui, tu lui dis que le conteneur du virus a bien été livré à Obtiabroskaya. Moi je veux pas payer, je veux pas regarder, les gars. Le travail nous a Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Je te paye. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça me paraît pas correct. On a signé leur arrêt. Tais-toi, Magali, c'est pas le moment de parler. Par contre, t'as des très beaux yeux verts, Magali. T'as trop hâte de me toucher, hein? Pas vrai, mon chaton? Si t'es tellement pressé. Magali, on va se calmer. Qu'est-ce que tu veux comme danse? Je peux la payer? Il se passe quoi si je la paye? Allez, sois pas timide. Oh putain, non! Mets-toi à l'aise, mon poussin. Oh, je croyais pas. Non, à l'aide. La gêne. Je veux partir. Non, mais laissez-moi! On est en 18+. Dites-moi qu'on est en 18+. Madame, vous êtes gênante. Non mais arrête de t'approcher. Non mais à l'aide. Non mais à l'aide. Où que je regarde, c'est de la merde. Tu es très belle, Magali, mais genre ça va trop vite entre nous deux là. Je peux partir, je veux partir, je veux partir. Je veux partir, j'ai payé. Alors, la danse t'a plu? Oui, oui, ça m'a plu. C'était parfait, madame. Au revoir. Je vois bien. Si tu veux revenir, je serai dans le coin. Oui, d'accord, Magali. Je m'attendais pas à que ce soit aussi... comment dire? On est en 18+. Bah voilà, on est en 18+, c'est bon. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi explicite. Je reviendrai plus tard dans le jeu. Adieu la VOD sur YouTube. Hey, tu sais, comme les VOD, elles durent 4 heures, ils en ont mais rien à foutre, mais d'une force. Non, après avoir fait le jeu illicite là, je pense que je peux tout faire. Bon, par contre, c'est où la sortie, là? Ah, je rêve de Magali. Magali, Magali. Alors, fais le tour des environs. Faut qu'on discute, toi et moi. Oh bah, je veux fallait qu'on discute ta fille, Magali. Tu as été coincée ici pour de bon. Les tunnels sont inondés partout. Et si tu heureusement que Twitch autorise maintenant la nudité dans les jeux. Ah bah, si ça autorise, on y retourne. J'ai encore des balles. Bah, ce que je te propose... Tu peux rester ici avec nous. T'es jeune, costaud, plutôt adroit, et on te trouvera du boulot rapidement. Surtout que ceux qui débarquent ici ont été refusés à Novokousneskaya. Réfléchis bien. Travaille avec nos pêcheurs, tu te familiarises. Monsieur, avec si je vous donne une balle, vous me faites la même danse que Magali. On pourrait même te trouver une gentille fille. Bon. On va me trouver une fille. Bah, j'ai jamais voulu être père. Laissez-moi tranquille. Les bandits semblent un peu à cran aujourd'hui. Les bandits sont à cran. Et je dois faire quoi, moi? Tu veux que je fasse quoi, moi? Moi, ça fera des vues. Oh, je suis pas sûr que quelques pixels... Hey, mon vieux, donne-moi une balle, hein? On a plein. Bah, nique ta race, t'es pris pour qui? Qui est là? Tu sais? Ouais, je sais personne, c'est personne. On va laisser les pauvres, là. Tire-lui une balle. À qui? À Magali ou au vieux? Les balles rebondissaient sur son armure. Son point faible, c'est dans sa... C'est très rare. Un nouveau. Bonjour. Non mais je veux partir. Au mec qui en voulait une. Non mais on tire pas des balles sur les gens quand ils sont pas d'accord avec vous. C'est quoi cette éducation là? C'est quoi ce manque de délicatesse, mon cher? Attendez, je baisse juste le micro et je perds le coup. Voilà. Il est un peu trop au niveau de mon œil. Ah mais c'était... C'est un pervers! Paye là au lieu de la mater. Dis-je, après avoir payé. Pourquoi tu veux partir? Il y a des filles à poil. Bah, alors,
Oui, c'est vrai, on pourrait rester avec les gonzes. On pourrait... Ouais... On pourrait rester avec les gonzes. Mais il y a ma station qui compte sur moi. Et j'ai sûrement une femme et des enfants. Enfin, potentiellement. Ou au moins, un avenir. Parce que ça va vous étonner, mais payer des femmes tous les jours ne fera pas de votre avenir quelque chose de meilleur. Ah oui, la station, j'oubliais. Oh, monsieur, venez ouvrir la lumière. Attendez, c'est bon. Parce que moi, genre, oui, Magali est très séduisante, mais j'ai... On va l'appeler Natacha. J'ai Natacha qui m'attend chez moi. Elle est certes moins séduisante. Elle danse vachement moins bien, je dois l'admettre. Mais... Quoi ? C'est elle que j'ai choisie. C'est elle que mon cœur veut. J'ai mangé juste... En fait, j'ai mangé comme un porc à midi. Du coup, ce soir, j'ai juste mangé de la... comment ça s'appelle ? La galette des rois, quoi ? Mais aux pommes. Mais qu'est-ce que c'était que ça ? Hein ? Quoi ? Parce que je suis pas fan de la frangipane. Voilà. Sachez-le, j'aime pas trop la frangipane, je trouve ça trop gavant et du coup je suis pas fan de la galette des rois. Tu vois ce type avec le casque ? Il nous a filé une valise la dernière fois qu'il est venu. Et Kisley l'a envoyé à aucun brosque. Il a dit que c'était plein de prospectus pour les ouvriers. Prospectus, mon cul ! La valise avait un verrou. Pourquoi en fait on a continué ? Il avait raison ce quoi là, on va retourner avec les femmes. Ouais mais j'ai plus de balles moi au bout d'un moment, je peux pas les payer. Et si tu payes pas, la femme ne danse pas. Quoi ? C'était un gros chausson aux pommes. Je te permets pas de critiquer. Mais oui, c'était un gros chausson aux pommes. Et au moins, elle est qu'à toi. Natacha ou Magali ? Ah oui, c'est vrai que Magali n'est point qu'à moi. Si quelqu'un vient et lui dit « je te donne deux balles » au lieu d'une, tu vois, je pense qu'elle me trahit. Pourquoi ils rigolent comme des phoques, là ? Et moi aussi, je veux rire ! C'est quoi la blague ? Eh, on est vraiment dans le métro de Paris avec les pseudo-artistes. Toi, mon gars. Je crois qu'ils sont en train de sniffer des champis. Non, mais ils ont fumé la moquette. Oh, ta maman. On note Idrial, pas fan de la frangipane. Par contre, les tartes aux pommes, les chaussons aux pommes, la galette à la pomme et tout ce qui va y avoir de la pomme dedans, ah, c'est oui, hein. C'est oui, monsieur, messieurs, dames. Dis-moi, je t'ai interrompu. Désolé, cantine. Ils ont la voix de The Witcher, non ? Enfin, du vieux dans... J'en sais rien du tout. On a quitté le bar et quelqu'un m'a écrasé la main. Bon filtre et de faire attendre encore les gars. Ouais. Ils ont tous la même voix en vrai. Comment ça, un bon filtre ? Comment il peut être bon s'il est usé ? C'est ton cerveau que t'as distillé à ce que je vois. Mais qu'est-ce qu'il surveille lui ? On surveille les murs là, monsieur dame. Il surveille le mur. À quoi ? Utilité, zéro. Je me suis mis en mode assassin, mais là ça va être compliqué. Allez, ta bouche. C'est bon. En fait, c'est pas si compliqué. Mais qu'est-ce qu'il fait lui aussi ? Mais qu'est-ce que vous foutez tous ? Je suis pas dans la surveillance, je suis dans le camp adverse et je trouve que vous surveillez mal. C'est quoi ça ? Parler tout seul. Mais non, il y a quelqu'un derrière la porte, non ? On lâche son arme. Ah, tu vois ? Main derrière la tête. Mais attendez. Eh bien, quelle rencontre ! C'est mon amour de tous les jours ! C'est lui, non ? Peut-être qu'il y a de l'espoir pour toi, Épolis. C'est pas lui, mon traître ? Mais c'est trop tard.
Les sombres sont très forts. Il aime les murs. Le camarade Corbus est coincé depuis longtemps. Imagine si on les dresse et si on les lâche sur l'ennemi. Bah, je suis pas sûr, monsieur. Pourquoi tu veux... Hey, doucement, doucement, d'accord, j'ai perdu. Je t'aimais beaucoup, maintenant, mais maintenant c'est fini entre nous, j'ai trouvé Magali. Et Magali, elle, tant que j'aurai des balles, elle sera... Ma parole. Elle sera de mon côté. Artyom. Non. Oh, mais vraiment, vraiment, les bouffons, là. Merde, il s'enfuit. Allez, moi, je me casse, hein. Je vous laisse dans votre merde, hein. Bon, t'as réussi. Mais tu vas devoir dégager de là en vitesse. Je connais une issue qui mène à la surface. Oh, tu me saoules déjà. Mais on peut le traverser. Allons-y. Oui, 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 on peut le traverser. Je vais traverser... Non, restons polis. Bah, elle est où la sortie, monsieur? Monsieur, vous m'avez menti? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu vas faire? T'as une porte magique? Oh, c'est comme dans Zelda, je reconnais. Bouge de là. Allez, mais bouge ton tes fesses. Ça, c'est quand moi, je joue à cache-cache. Enfile ça, c'est pour les bandits. Ah, bah voilà. On va jouer à cache-cache. Let's go. Avec un peu de chance, les nôtres m'attendront à l'avant-poste dans l'église abandonnée. Je leur dirai tout ce que je sais. Je pense pas avoir de chance. Sur Pavel, je pense qu'on n'a pas de chance. Sur une sorte de test auquel ils vont procéder. Et puis je poursuivrai ma route vers Oktyabrskaya. Qu'est-ce qu'il fait, le sombre est là-bas. Le sombre est là-bas. Le marais. La base est de l'autre côté, dans l'église. On la voit pas d'ici. Ok. C'est un radeau treuillé. Il a besoin de carburant. Ok. Il devrait y en avoir dans l'avion ou dans la planque à la station essence. Ok. N'approche pas de l'eau si tu tiens à la vie. Ok. Et voilà. Bonne chance, Artyom. Ah, tu le barres ? Bah, merci. Je sais pas s'il est simple. Il est pas un peu passif-agressif ? On n'y voit rien avec ce brouillard. Oh, effectivement. Il doit y en avoir dans l'avion. Il est où l'avion? Faut qu'on aille voir un avion. Qu'est-ce donc? Faut que j'aille voir un avion sans me faire héliporter par les ennemis. Ah, là, là-bas, il y a l'avion. Oh, c'est un petit peu profond, j'ai pas pied. Bon, bah, on peut pas passer par l'eau. Ces bruits me disent rien qui vaille. Oh, et puis, on peut pas passer par l'eau, on peut pas passer par l'air. Pas encore. Quoi encore? Pourquoi il y a le bruit d'un éléphant croisé avec un T-Rex? Oh, ça suffit, les bruits étranges, hein. Ouais, mais je peux pas passer par là, moi. Je vous suis, les ragondins, là. On y voit plus clair, maintenant. C'est possible, hein, qu'ils aient amélioré ce passage. Oh, Fischer, qu'est-ce que tu es, toi? Bah, je ne sais pas ce que tu es, mais tu es mort. C'est comme ça qu'on fait... Oh, bonsoir.
Oh, j'ai dit bonsoir. Vous pouvez me respecter au moins. Ah ouais, il est un peu fort lui, non? Tu vas mourir. Bon, note pour plus tard, les grosses crevettes bleues sont un peu trop costauds pour moi. Non mais, je dois passer par là, sinon il n'y aura pas eu du fight. On va suivre les drapeaux rouges. Ça a l'air d'être une bonne solution. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est des crevettes, ça? Non mais non. Merci. Non mais... Ah ! Ah ! Putain ! Y a pas à traîner comme ça ! Oh ! Oh, vide. Mais toi, tu fais connaissance en tirant, tu fais pas comme ça ? C'est comme ça qu'on m'a appris quand j'ai passé mon brevet de policier aux États-Unis dans un film. Allez hop. Oh bordel de nouilles. Faut pas que je meure. De toute manière, genre, dans les films, c'est toujours comme ça que ça se passe. Tu dis bonjour en tirant sur la personne. J'ai paniqué, j'ai tiré. Je passe par là. Ouais, je pense qu'il faut suivre les drapeaux rouges. Oh putain de merde. Je retire, je pense pas que je devrais faire Pékin Express au vu du sens de l'orientation là. Bah oui, c'est bien connu. Bah oui, c'est bien connu. Oh fichtre. Je suis pas là. Je sais pas qui vous êtes, mais. Oh la bébête. Oh putain, non. Qui vient vers moi? Non, ah ok, c'est un petit. Non. J'ai pas le droit de passer par là? Ah bah si. Oh merci. Vous pouvez pas me laisser tranquille, je suis pas là. Je sais pas ce que je chope. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mais il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'essence! Mais il y a un... Oui, il y a un... Mais j'ai dit, il y a un éléphant croisé T-Rex. Je vais me faire... Ah 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 ! J'ai trouvé le secret de la vie. Mais tu viens vachement près, toi ! Lâche-moi, quoi. Ils sont vraiment pas sympas, hein. Il m'a mis sur le bon chemin, vous croyez? Je vais toujours aller à l'avion. Bon. Il est où l'avion? Oh, fuck. Mais dégage, j'ai dit! Mais il me saoule! Y'a pas un régisseur des lois là pour lui dire d'aller se faire téter l'œil? Ça suffit! Non, c'est juste. Tenue de femme fatale, je suis pas sûre que ce soit une. Oh, mais dégage toi aussi là! Vous avez pris le temps de me saouler! Ouais, mais femme fatale, je tue! Bonsoir, Panzer. Désolé, attendez, je suis préoccupée par mon histoire d'avion. Je sais pas par où passer. Oh, bordel. Non, on peut pas là. Eh ben, c'est pas. Tu peux rester 28 minutes à la surface, ça va. Oui, ça va, mais genre, c'est pas le but. Oh, mais il y a tout... Il y a l'enfer qui vient me chercher. Battez-vous entre vous, là. De merde. Ah putain de merde, j'ai vu. Je suis le régisseur des lois. Bah attaque-les là. Ah bah je me suis fait bouffer.
Où j'en suis là dans mon... Oh. J'ai le hockey. Ah bah voilà. Bonsoir, je ne fais que passer. Je viens chercher de l'essence. De l'essence. De quoi? C'est Ada qui se cosplay en Idéli Nuance. Ada, elle est pas... Ouais, elle est plus vieille que moi, Ada. Alors hop, comment te dire? Je suis dans la sauce, non? Ouais, mon petit gars. Tu sais ce qu'on fait aux gens comme toi? Voilà ce qu'on fait aux gens comme toi. Pas content, pas content. Normalement, si je fais un tout droit comme ça, que je saute là, que je cours, et que je cours par là, ça devrait bien se passer. Bah voilà, il n'y avait pas d'essence. Si, 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 c'est bon. Normalement. J'ai de l'essence, c'est bon. J'ai de l'essence, j'ai des trucs, je sais même pas à quoi ça sert. Ah non, hein. Ah, c'est pas la foire du trône ici, hein. On n'accueille pas tout le public, hein. Ah, voilà comment on accueille. Nous, c'est pas vous qui tenez le fusil, c'est nous qui vous chassons, hein. Je le préviens. Quoi encore? Qui vient? Qui joue des maracas là? Ah, c'est quoi? Il n'y a pas à jouer des maracas sur mes, dans mes oreilles. Ah, bonsoir. Ah bah, il y a notre imbécile qui arrive d'ailleurs. Oh, dégage. Va voir ailleurs si j'existe. Attendez, j'ai des choses à faire, moi, hop. Comment je peux partir? Non, je peux pas partir, j'ai pas le droit. Je peux? Allez. Oh, c'est la sauce intergalactique, là. Attendez, on va s'éloigner. Qui vient? Venez vous battre. Ah bah, battez-vous entre vous. Voilà, on va admirer ça, nous. Oh, et toi, mon gars? Voilà. Oh putain! Mais ça va pas la vie! C'est où qu'on se soigne? C'est là! Allez hop! Mais ma claque! Non! Et je m'envole! Putain, fais chier! Lâchez-moi s'il vous plaît! Je ne suis qu'une ouaille à la recherche de son berger! Oh bah, oh bah, vachement sympathique ce monsieur là, dis donc. On peut y aller? On peut y aller, let's go. Ah mais plus vite s'il vous plaît. Oh ouais, non mais là c'est mamie qui a besoin d'un déambulateur, hein. Mais c'est quoi cette vitesse? Waouh, accrochez-vous. C'est qui Artyom? Franchement, aucune idée. J'ai fait beaucoup de bruit en avançant dans les marais. Si les nôtres sont vraiment dans l'église, je les retrouverai bientôt. Ouais, on a rencontré une madame, puis on est sorti et puis on a commencé à tuer des gens. Un pied dans la bouche à Ornette. Oh, mais Ornette, ça va le faire, t'inquiète. Il y a des stratégies pour la battre. C'est qui Magali? Alors Magali, c'est ma seconde femme. Il aurait pu te jeter dans l'eau quand même. Oh, il aurait pu me jeter directement sur le bateau, hein. Il y en a, ils font pas d'efforts, hein. Voilà, hop. Petit changement, le filtre à l'air. Non mais c'est quoi là le... Pourquoi je passe de campagne paisible et silencieuse à désert chaotique? Ça ressemble à une mine ça. Oh non, oui, oui, oh, moi j'ai des... Oh, j'ai une femme à rejoindre et une seconde femme à contenter. Donc je vous prierai, s'il vous plaît,
de conserver mes salutations distinguées et de ne point me crever. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Oh, des canettes. Artyom, Artyom, si tu me reçois. Ah, je me suis péri une poutre. C'est quoi la strat? Je sais pas moi, c'est quoi la strat? Regarde des vidéos. Vision nocturne. Ah ouais, mais je suis obligée de le maintenir. Attendez, je comprends pas. Ah si. Je suis en vision nocturne là? Je vois rien. Mais j'entends des voix par contre. Elle y va au talent. Bah en fait la strat c'est... Genre c'est trop compliqué à expliquer quand je joue pas quoi. Bien sûr que j'ai développé une strat sur elle, mais... Quand je joue pas ça sert à rien de me demander. Genre je me focus d'abord sur un jeu et ensuite sur un autre. T'es pas en vision nocturne? Ouais mais je fais N comme... Ah bah si! Regardez, là je les mets. Là je les retire. C'est débile! Je vois aussi bien avec que sans! La vision nocturne, c'est de la merde! Ça n'existe pas! Oh, par contre, les dinosaures, ça existe. Mais j'ai pied! Ah, je vais me faire bouffer, je l'ai vu! Oh, qui vient me sauver de la mort, là? Oh, putain! Il y a le boss des Cassos! Ah bah, il est parti. Je pense qu'il faut que je suive les traces vertes. Donc on va faire ça. Na 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 na. Oh, je peux pas plus ramasser. Oh, je vais faire en mode Speedy Gonzales, hein. Oh my goodness, what the... Monsieur, j'ai dit Speedy Gonzales, pas Tom dans Tom et Jerry. Enfin, Jerry plutôt. Bah, peut-être que t'es le chien. Je dois aller où, moi? Suis les drapeaux, Idris, suis les drapeaux. Mais j'ai suivi les drapeaux. Et il ne me mène. Oh, il me mène là. Je mens, je suis une mytho. Aïe aïe, aïe aïe. Allez, on va monter. Loin de tout ça. Oh non, 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 non et non. Ah, ça suffit. La vision nocturne, c'est de la... Ah. Plus de piles. Tu crois qu'il faut changer les piles? Pas sûr. Ça se change des piles? C'est vert la vision. Oui, bah je sais que c'est vert, regardez. Mais là, là, vous voyez une différence? Moi, non. Parce que moi, pas là. C'est moi? Oui, moi aussi, je vous vois. Vous m'attendez à l'église? Oh bah, je sens que je vais crever du coup. Dépêche-toi. Oui, bah je me dépêche, j'ai que 6 jambes. Putain de sa mère. Alors, tout quoi, c'est... Artyom, attaque devant. Comment je... Wouhou. Pourquoi on me demande de faire ça, là? Oh, sur ma droite, sur ma gauche, faut savoir là. Faut que j'attaque lequel? Oh, je prends à gauche, je vais t'en foutre du gauche. Je sais pas où c'est la gauche. Oh, j'ai eu mon permis en faisant n'importe quoi, c'est pas le moment. Tu veux que je fasse quoi, moi? Ah, 6 heures. Mais il saute ma gueule. À 6 heures. Tu passeras pas par là.
concentre les tirs. Là. La bête est sonnée. La bête est sonnée, bah j'aimerais bien qu'elle soit mourue. Hein. Oh, je suis en train de m'étouffer. Je vais changer de masque. De fil. Pas sûr que ce soit très efficace ça. J'ai pas les couteaux. Mais c'est de la merde ça. J'ai envoyé quoi sur lui là? Mais je vais t'en foutre de la gauche, je viens de battre au lieu de moi, je me dis ce que je dois faire. Oh my goodness. On concentre les tirs. Là. Ouais. On l'a eu. Foutez de ma gueule. Oh, il est mort, ça y est. Mais j'élimine qui? Merde. C'est mon trophée de chasse, hein. Pas touche, hein. Vous avez rien foutu. C'est la première fois que je vois une mettre pareil. Merci du raid. Bonsoir Rudra, bonsoir Kalia, comment ça va? C'est la première fois que tu me vois aussi stressée et sérieuse. Tu m'as jamais vu jouer à Dark Souls alors. Je suis toujours sérieuse. Moi je fais pas de blagues. Y a pas d'humour ici. Vous êtes malade ou quoi? Oh regardez, c'est pour elle que j'ai quitté. J'ai failli te tuer aussi. Je t'ai pas trompé avec une péripatéticienne. C'était juste une danseuse du ventre. J'espère que tu me pardonneras pour le jardin. Dark Souls, hargneux, c'est vrai, il y a différents stades. La gauche se trouve à gauche et la droite à droite. J'ignore pourquoi. T'es sûr? Mais j'étais vraiment. La gauche de la droite, ça n'existe pas? C'est la peste. J'espère elle que tu as bu du rhum dans son nombril. Non, c'est plutôt elle qui a bu du rhum sur tout mon corps. Mais sinon, tout se passe bien. Son partenaire sur le champ de bataille. Et bonne crêpe à Kalia. C'est marrant parce qu'elle a rushé la zone, mais elle passe du temps sur le boss. Je suis pas morte au moins. Parce que j'étais pas obligée de le tuer. Avant. Mais Hunter, il a su te lire dès le départ. Il t'a fait confiance. Il m'a fallu plus de temps. Je comprenais pas jusqu'à ce que je te vois à l'action et j'ai failli te faire tuer. Tu me facilites pas la tâche, Artyom. J'arrête pour l'instant. D'accord, allez, prépare-toi. Madame. Les gars vont bientôt arriver et on va tous partir pour Oktyabrskaya. Oula, attendez, quoi? Tu peux me répéter le nom de la ville? Oh! Je l'ai appelée comment? C'est Natacha, je crois que je l'ai appelée tout à l'heure. C'est ma femme. Oh! Natacha, reviens. J'ai mis une petite musique pour toi et moi. Elle veut pas venir, hein? Voilà, si tu fais la gueule, moi aussi je fais la gueule, c'est bon, hein? Comme si t'étais jamais allé voir des go-go dancers. Voilà, hein? Voilà, hein? Je vais y aller, hein? Mais. Oh, tout ça pour en fait, une danseuse. Un marchand d'armes ambulant s'est arrêté ici pour la nuit. Tu pourrais jeter un œil à sa Camoulox. Marchandise. Excellente idée, mademoiselle. Aider un vieillard à survivre en s'étant troublé. Acheter des armes. Alors, quoi de neuf? L'équipe de Stalker arrive. Elle devrait être là dans moins d'une heure. Si je garde des balles. De ou non, autre, mais j'ai Magali qui m'attend pour prendre tout mon argent. C'est à elle que je le dédie. Et à Natacha aussi, un petit peu. Une fois. Comment va la C'est des catacombes vraiment très anciennes. Je sais pas à quand elles remontent. Pourquoi vous avez tous... Mais il a pas la tête du méchant? Les gens de l'église s'y sont cachés pendant la guerre. Je connais votre trouble. Disparu. Vous êtes en train de faire un AVC en fait. Est-ce que vous pouvez m'épeler Ornithorynx sans faire d'erreur s'il vous plaît? Qui ça peut bien être? Ah, vous tournez le regard. Vérifier. Au cas où. Mot de passe. Je pense qu'il faudrait appeler un médecin. C'est plus ça. Je connais cette voix. Non mais, moi je veux un médecin. Je la resitue pas. Vous avez un médecin? Une petite minute. Vous avez un médecin? Ce serait pas... Lesnitsky? Bah là, il faudra plus qu'un médecin, il faudrait aussi un ébéniste pour faire la porte. Mais ça reste encore à voir. Ah zut.
et un pompier. Ah, peut-être pour le feu. Bah, ça dépend si on a prévu barbecue. Si on a prévu barbecue, on peut laisser le feu. Espèce de sale traître. Anna. Ah, et peut-être un prêtre pour pouvoir les marier. J'ai jamais travaillé pour vous. On va embarquer celle-là. C'est ça. Allez. Ah, ils embarquent ma femme. Je peux enfin changer de femme. Let's go. On va aller chercher Magali. Attendez, comment ça je dois aller la sauver? Sous quelle loi? La loi d'amour. La loi que je peux pas retourner en arrière, Magali. Pourquoi tu m'as oublié? Ah bah vous voyez que je vous avais dit qu'il faisait un AVC. Et bah il en est mort. Et il a vieilli, il a pris 30 ans d'un coup, voilà. Quand vous faites un AVC, vous vieillissez et vous avez potentiellement des risques de mourir. La loi de « il était une fois ». Oh, on peut pas changer. Genre, « il était une fois, il vécut heureux, il y eut plein d'enfants », on peut pas. « Il était une fois, il vécut heureux, elle mourut, il vécut heureux avec Magali ». C'était... Il n'y a pas possibilité. C'est honteux. C'est pas honteux. C'est comme ça. Il a pris 30 ans, métaphore pour dire qu'il a pris une porte dans la gueule. Et chacun sa métaphore finalement. Non, elle est bien mon arme comme elle est. Alors. Bah, c'est par où que je dois aller moi? Mais il n'y a pas de porte. Bah, je viens de là. Je peux rien faire ici. Il y a un trou dans le mur? Ah, bah c'est par là. Ça, non. Oh non. Non, c'est bon. Par contre, je veux bien allumer ma lumière. Non. Oh, oh là. Oh, fichtre. J'allume le feu. Le calumet de la paix, non? Ça vous intéresse pas? Et il est où l'autre calumet? Il y avait pas un autre calumet? Je suis fou. Bon bah on y va. Ah là. Oh là 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 là. Oh putain! Il n'y a pas à être aussi mort? Ah, les ombres! Je dois pas aller dans les ombres, sinon je meurs. Ça, je m'en rappelle. Batman! Est-ce que c'est tout? Hello, Yamidé, comment ça va? Bah, ça va, et toi? Hop. Ma lampe, c'est pas ça? Ah oui, mais ma lampe, elle fait la gueule, là. Comment je change les batteries de ma lampe? Ah! Alors, attendez. J'en apprends tous les jours. Je peux charger ma lampe. Et du coup, je peux charger ça? Non. Pourquoi je peux pas... Oh! Oh! Une vraie vision nocturne! Mais ils avaient pas tort quand ils me disaient de la charger, mais en fait il fallait que je charge ma lampe. Ah bah voilà. J'ai pas foncé dans les ombres il y a deux semaines. J'ai foncé dans un trou par lequel avant il y avait des ombres. Donc potentiellement que j'ai touché quelques ombres. Clap clap clap, merci. On a enfin trouvé la vision nocturne. Du coup, je vais pouvoir en abuser. Oh, c'est peut-être pas le moment. Ouf. Ça, c'est un vilain rototo, hein. Ah, il devient sale. Il a dû faire mal au fond de la gorge, celui-là. Ah, bonsoir. Ah, bonsoir. Il dit bonsoir.
Oh non, mais non, mais on vient pas, on s'attaque pas aux gens comme ça, s'il vous plaît. Soyez distingués. J'ai dit soyez distingués, c'est pas si compliqué. Déjà, on rôde pas à la face des gens. C'est mal poli, c'est dégueulasse. Si on veut le faire, on met au moins sa main devant la bouche. C'est quoi ça? Ah! Aïe aïe! Il y a le four. Let's go. C'est le moment de la vision nocturne. Ah bah c'est magnifique comme ça là. On peut rôter devant la bouche de l'autre par contre. Oui, ça on est d'accord. Ça, il n'y a pas nos soucis. Bon, j'ai appris comment allumer ma lampe et j'ai appris à la recharger. J'ai appris du coup à recharger par conséquent. Ensuite, Calice, qu'est-ce que je voulais dire? La vision nocturne. Mais ils sont bien morts. Hein. Non mais c'est un sketch là. Non mais oh la sale bête. Petit rototo d'amour. Alors si vous faites ça à quelqu'un et que vous l'aimez, si la personne ne vous parle plus, sachez que c'est tout à fait normal. C'est une possibilité, hein. À force de dire des conneries, on dit des trucs vrais. C'est pas faux. On dit pas que de la merde dans le chat. Ah. Effectivement, mais il fallait pas recharger la vision nocturne, mais la lampe. Donc vous... En général, quand tu vois un mec qui a envie de te bouffer, qui court comme ça, c'est qu'il y a un truc plus gros derrière lui. Donc... D'après mon instinct de petite souris, je devrais retourner de l'autre côté. Mais bon. Apparemment, on est un peu teuteux dans la tête. Donc je vais m'en aller dans les problèmes. Quoi, qui ou quoi? Oh, ça y est, j'entends les ombres. J'entends des voix. Je vois des ombres. Pas autour de moi, je vois des gens morts. Des voix, des ombres. Je crois savoir ce qui m'arrive. Je fais une Melinda Gordon. Il n'y a pas à faire ça. Bon, ok, donc cadavre dans un trou, ne pas toucher le cadavre. Tu sais, tu as le briquet. Oui, je sais, mais on est bien là, non? Oh, on va pas être bien là, non. Aïe, aïe. On va pas être bien du tout. Ah putain de sa mère! Aïe aïe! Oh et où ça? Bah, et où? Démarre, Gabriel là! Ah putain. Qu'est-ce que je fais ça là? Mais putain, tu vas la balancer cette... C'est quoi? C'est un couteau de combat. Putain, je sais pas comment on prend le rose. Putain, cette arme est plus efficace que ma mitraillette quoi. Scandale.
C'est par où la sortie? Pas par là, en tout cas. Hein. Ah là, je peux pas faire un truc. Voilà. Des monstres arrivent vite, éteignez les lampes. Bah on sait jamais, peut-être qu'ils peuvent pas me sentir. Je péterai dans vos respirateurs. Merci, c'est super sympa. Non mais le jeu prend une toute autre tournure. Je peux rentrer dans le... J'ai pas le droit. Genre, rentre dedans. Ah, pardon. Ah, vision nocturne intégrée dans l'œil, pardon, j'avais oublié. Il est vrai. Et moi, je peux pas avoir ça. Non, moi, je suis une sous-catégorie, c'est ça? Oh, fichtre. Je peux pas... Je suis obligée de me battre, en fait. Ça fait un flash et tout. Je suis pas obligée de les déranger en plein repas, moi aussi. Oh, putain de ta mère. Hihi. Aïe aïe, qu'est-ce que je me suis pris encore? Oh merde, cours Idri. Ah mais c'est des ultrasons! Y'a pas à faire ça! Je sais pas où je dois aller. Salut! Coucou! Oh non, laissez-moi. Hein. Oh merde. Oh merde! Lâchez-moi! Oh bah je suis morte. Apparemment faut les tuer. C'est un peu comme les phares sur la route, comment ça? Alors attendez, déjà on va recharger cette chose. Voilà, hop. Ensuite on va les tuer petit à petit. Mais je sais pas comment on prend la grenade. J'aimerais bien prendre la grenade, mais... Bon, allez. Je sais pas viser, en plus. On a deux, ça. On va tourner comme une con. Oh, les chauves-souris, là! Putain, ça suffit. Genre, faut que je retrouve comment on trouve la grenade, là. Je sais comment la lancer, mais je sais pas comment la changer. Donc, la première étape va être de se faire cette... Ah ah ! Grenade. Bah voilà. Donc, on a dit d'abord charger sa lampe. Hop là, let's go. Et ensuite, on a dit grenade. Oh putain, merde. Aïe aïe. Oh putain, j'ai quitté le jeu. Mais ta mère. Mais en fait, il y a le truc qui vient, il m'arrave ma gueule. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, là. C'est quoi le truc, là? Comment j'ai changé, moi? Ça, c'est quoi? Ben voilà, je sais pas ce que c'est, mais ça m'a l'air pas mal. Ah bah génial ça, putain, vous me faites chier. Voilà. Alors, Mamie Rambo. Mamie Nova, Mamie Rambo, c'est un peu pareil. Fichtre de patate. Voilà, on va les appeler. On va voir ce que ça fait, ça. Alors. Aïe, aïe. Ça fait mal, ça, par contre. Bon, le fils de loot, là. Voilà, il se prend ça en pleine tronche et il va fermer son bouc.
lui aussi, là. C'est bon, ça suffit. Alors, tac. Ça a l'air d'être pas mal, là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont adeptes du massacrage de gnomes? Un gnome acheté, un gnome offert? J'ai que des têtes pour l'instant, par contre. Alors, j'adore le massacre de gnomes. Bon, ensuite, c'est pas très légal qu'on m'a dit, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Trop ma faute, moi. Allez, tenez, cadeau. Évidemment, je rate. Aïe, aïe. Mamie a besoin d'un petit remontant. Mais il va faire... Il va... Qu'est-ce que t'as? T'es pas content de tes cadeaux? Putain, je vais crever. Ah bah voilà, je me suis explosé la tronche. Alors ça va être compliqué là, ça va être compliqué, moi je vous le dis. Surtout que j'imagine... Ah, ça va, je reprends là. Alors, mamie, elle doit envoyer sa grenade, mais pas trop loin. Oh bah, je peux pas. Tenez, on va faire ça comme ça. On va changer de grenade. On va prendre celles qui sont en feu. On va envoyer ça sur le groupe de délinquants là-bas. C'est bon, moi j'ai assez donné. Mamie arrive plus à envoyer ses grenades, c'est quoi ça? Allez, venez dans le feu, les mignons là. Aïe. Voilà. Bon, bah apparemment, Mamie a appris comment chasser le gnome. Tu vises les pattes et ça devrait aller. Voilà. Nickel, mamie a passé le passage. Mamie va sûrement se faire réattaquer. Oh fuck, qu'est-ce qu'il y a encore? Bonsoir. Oh putain ça! Les gnomes, c'est devenu violent de nos jours! On avait pris quelques-uns pour mon jardin, mais je crois que je vais renoncer. Non, putain de ta mère. Oh, mais vous allez me lâcher, moi, je paye mes impôts. Elle est où la police? Putain, il n'y a jamais de police quand on a besoin. Let's go! Oh non, pas ça, s'il vous plaît. J'ai plus de balles. Mais quoi? Ne serait-ce pas un boss? Oh non, bah non, bah non, ça va être normal. Pourquoi un boss tout de suite? Je trouve ça ridicule. Moi, je pense qu'il va tomber en panne, on n'aura pas besoin de le rappeler, on va avoir besoin de le voir se battre. Ah bah tiens, voilà que le boss remet à hurler, mais de manière plus humaine. C'est bizarre. Ah bah voilà. Alors... Oh, la reine des sardines. Dommage. Oh non. Oh non. C'est dommage ça, quoi. Aïe aïe.
For the Emperor! Oh, je suis sûr qu'il faut faire un truc débile, du style, vas-y, détruis toutes les trucs. Mais j'en ai pas besoin de mon masque, là, je suis en train de le casser pour rien. Aïe. Vas-y, détruis la dernière, ma belle. Vas-y, encore un coup. Encore un coup, je t'ai dit. Vas-y, un petit coup là. Voilà, merci. Là, on est bien libre. Bah, t'es débile ou quoi? Ok. Ok, ok. Bah, pourquoi pas. Mais con, elle va foncer sur des poteaux. Oh non. Oh non. Mais non, je peux pas me battre. Je vais pas y arriver. Oh, lâchez-moi la grappe, là, les gueux. J'ai envie de crever. Oh, fiche. Oh, bah, tiens, dis donc. En train de tout casser. Bah mais, bah dis donc, faut pas être énervé comme ça. Oh bordel. Oh putain. Alors attendez, d'après la stratégie numéro 405, je dois envoyer ça. Allez, en plein dans ta tronche. Ouais, en plein dans la mienne. Il n'y a pas à être énervé ça, comme ça. Je sais pas. Oh non, j'ai vu un des bougres d'abrutis passer là. J'aime pas trop là la salle du boss. Pas trop mon kiff là, les boss. Non, c'est pas trop ce que je voulais faire. Vas-y, fonce-moi dessus, t'as raison. Allez, le dernier poteau. Bien joué. Allez, un petit bout encore. Bah bravo. Oh, il est décédé. Allez, poutou, poutou. Ça va bien se passer, tu sais. C'est pas si compliqué, Abby. Regarde, nous on arrive ici et je sais même pas par où je vais partir. Oh bah putain. Oh bah je vais noyer. Mamie n'est pas. Je suis pas Lara Croft. Laissez-moi passer par là. Mais je passais là dans le trou, merde. Comme une vieille merde, par les canalisations. Oh, fichtre, mamie n'est pas contente. Tous les chemins mènent à Kyabroskaya. Le sombre se trouve là-bas. Ah non, c'est pas tous les chemins. Ouais, bon, bref, on cherche le sombre. Oh, j'ai tué le rhino, mais mamie, elle est décédée hein, pour ça. Hein. Allez, il n'y a pas des balles, des trucs, des machins. Nanana. Bon, c'est qui cette fille déjà? Une otage. On va s'en servir pour négocier avec l'or. Qui c'est que je retrouve? Veillez juste à ce qu'elle porte un masque à gaz.
Si elle est infectée, elle est morte. Et elle ne nous servira plus à rien. Infectée ? Alors qu'est-ce qu'on fait d'elle ? Enfermez-la, et gardez un œil sur elle. Ah oui, alors... Le moindre incident, c'est votre tête qui saute. Exécution. Je viendrai la chercher quand on en aura fini ici. On voit mon ongle de pouce à travers mon gant. Et ça, c'est beau. Par contre, j'ai un big ongle de pouce. Bon, je peux jouer, là. Ah, il faut que j'aille sur le tour. Qu'est-ce que vous faites? Pitié! Vous n'êtes pas obligé de nous tuer! Ce sont les ordres des dirigeants de la ligne rouge afin de mettre fin à l'épidémie. En vrai, que tu sois Coco ou que tu sois facho, t'es un fils de loutre. Oh, bah ça fait un matelas pour atterrir. Le talent. Ah, qu'est-ce que ça peut faire? Il va bientôt crever de toute Merde. Façon. On est là pour s'en assurer. Achève-le. Oh non. Oh, merde, je suis arrivé trop tard. J'ai fait de la daube. Ah, toute ma botte est couverte. Allez, allez. Oh, peut-être que j'aurais peut-être pas dû faire ça, moi. Ta bouche. Bon, il serait mort quand même, allez hop. Voilà, on se rassure comme on peut. J'ai pas de balles. Moi, j'aimerais bien des balles de cette arme là. C'est-à-dire quand on fait de l'infiltration, c'est la meilleure. On va par là. Tirer 100 balles, ça va être compliqué. Mais si ! On arrête de jacasser, soldats. On manque de bras pour le déchargement. On va chercher ces deux-là et ça saute. Doivent être à l'entrepôt dans 2 minutes. Allez! C'est pas ce que je voulais faire. Saloperie! Oh, c'est bon, j'ai raté. Ça arrive à tout le monde. Je croyais être sur cette arme et je voulais juste zoomer. La discrétion. Exactement. Quand tu oublies comment fonctionnent les armes. Bah ça me fera des balles. Bon, il est où l'autre Yankee là? Attention! Oh, il va exploser! Trop beau! Magnifique! Salope, tire! Oui, c'est moi! Les blessés sont tas! Mais t'as rien eu du tout en plus! Mais quel mytho! Je l'ai coincé! Mais pas du tout! On va venger notre camarade! Je vais les venger que dalle! Un blessé! Non, il est mort! Il est mort! Quoi? Il n'y a pas plus de balles là? Alors... Bon bah, let's go. Un blessé. Quelle bande de mythos. Mission infiltration. Grenade incendiaire. Y'a pas à brûler les gens comme ça, là. Oh, ils les ont tous tués, ces bandes de raclures de fond de bidet, là. Qu'est-ce qu'on a ici, courant d'air? Avec ma chance, je vais choper la crème. Capitaine Ravine. Tiens. Voilà. C'est comme ça que ça se passe pour moi. On va la faire payer. Oh putain, vous êtes nombreux, dis donc. J'ai eu. Mais t'as rien eu du tout, c'est ton pote et il est mort.
peut-être cette arme plus efficace. Et où l'autre Bonjour. Au revoir. Ah, j'ai bien fait de vous brûler, vous. Comment ça, connard? C'est méchant. Alors, qui veut mourir? Côté sadique? Non, pas du tout. Non, par contre, j'aime bien quand vous mourrez. On est où l'autre? Alors, monsieur, ça va pas trop marcher ce que vous faites là? Je l'ai coincé, les mecs! Mais. C'est quoi cette tendance à mitonner là du côté des adversaires? Hein y a pas à mentir comme ça, messieurs, dames. Faut que je fasse le tour, non? C'est pas ça? Faut pas que je fasse le tour? Oh. Trace de limité chez la IA. Oh, elle demande-en pas trop. Elle fait déjà des phrases. Correct. Grammaticalement parlant. Bientôt. Très bientôt. Alors, bientôt, très bientôt. Oh! On reste calme, camarade. Je vois pas où il est. Tu as rien mis du tout. Bon, bah moi aussi, je vais tirer dans le tas. Ça devrait bien toucher au bout d'un moment. Je suis à 5, les gars! Mais si je passe là. C'est bon! Ah, il va faire boum, lui. On va se mettre là. Ah, ça n'a pas suffi. Ah, voilà. Bon, bah, ils sont morts au moins. Je dois aller par où, moi? Parce que, à part tuer tout le monde, qui est bien marrant. Camarade Lesnetsky, l'opération progresse comme prévu. Elle sera terminée dans une heure. Bien. L'expérience a été un succès. Vous avez pas un petit masque? Faut faire notre rapport au général Corbeau. Un petit masque, il me faudra voir. C'est Lesnetsky qui l'a ramené. Que c'est une otage ça pique quand même, avec ça pique. Ça pique. Mais on sait bien quel type de négociation ils font. Ah. C'est quoi tous ces coups en verre? Ce soir, je me paye. Bon, je suis pas là. Ouais, regardez. Ah, je peux pas. On dirait qu'il y a... Y'a rien. Mais y'a rien, je te jure, y'a rien, passe ton chemin. Putain de coups en verre. Avec ma chance, je vais choper la crème. Qu'est-ce que c'était ça? Oh, y'a rien, il est pas mort, hein. Y'a rien. Oh, y'a rien, mais comment osez-vous, là? Oh putain, ça y est, là y'a quelque chose, j'avoue, j'admets. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Bah. Tu vas le payer. Je vais te payer quoi? J'ai rien à payer. 2,50€ si tu veux, et ça te fera même pas un kebab. On doit venger notre camarade. On va venger vengez-le si vous voulez, mais je sais pas qui l'a tué, moi. J'étais pas là. Et moi, j'ai le droit de venger mes camarades ou c'est trop tard? Vu que techniquement, vous avez commencé en premier. Le joker. Voilà, c'est ça, là. Si c'était que la crème. Je crois qu'il est mort. Hey, aïe aïe. Oh bah tiens, je tombe comme si c'était pas prévisible ça. Oh non. Ici. Le capitaliste, c'est comme ça que vous parlez de moi? Je vais te faire la peau. Bah vas-y. Tiens. Cadeau. Il a fait boum.
Boum. Na 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 na
Attends, ça dépend de l'infirmière sur laquelle... Tu peux tomber sur des infirmiers déjà aussi. Alors, ça se trouve, c'est pas ton kiff. Alors, vous avez pu isoler l'agent ? Oui et non. Oui c'est et un non. Virus de la souche Ebola. Ebola ? Il est inutile d'essayer de le cultiver. Il n'est pas virulent pour l'instant. Et sans la souche d'origine... Docteur, vous savez que je suis pas médecin. Soyez plus clair. C'est la roulette russe aux urgences. Soit tu peux tomber sur des trucs... Le taux de mortalité était d'environ 95%. Le troisième jour, il a baissé à environ 25%. Aujourd'hui, nous n'avons que deux nouveaux infectés, et leur infection est légère. Les perspectives de guérison m'ont l'air bonnes. Comme vous le savez... Oh, salut, toi. Tu es mon copain? Est-ce que tu es mon copain? Dans sa forme sauvage, salut. Il dangereux bien non. Plus longtemps. Oh, bah, nique ta race. Est-ce que ça signifie... Salut. Ce n'est pas oh, un il virus veut pas être mon copain. C'est une souche militaire conçue pour être la plus létale possible sur une période très courte, avant de devenir inoffensive. Bon sang. D'où est-ce qu'elle vient? J'ai entendu on parler a trouvé d'une Ebola. Génération d'armes biologiques basées sur ce virus et développées avant la guerre. Mais d'où est-ce qu'elles peuvent bien sortir oh, après c'est toutes ouvert. Ces années? Des armes biologiques. Mon Dieu. Je pense que c'est le pire, les armes biologiques. Parce que ça veut dire que t'attaques pas que les militaires, mais t'attaques genre toute la population. Et si vous attaquez la population de Pulponi, vous attaquez au monde entier. Pochez, pochez. Eh, apprenez le russe. Il a tiré là. Putain, j'ai l'impression d'être dans... Allez, vous pouvez pas rester ici. Moi aussi. Ah bah non, j'ai pas... Mais je suis où, là? Mais c'est quoi, le délire? Artyom, je suis là! Je suis vraiment ravi de savoir... On peut prendre Anna bien, avec Arthur, nous. Anna, elle est gentille aussi. Avec moi. Anna, elle on me guérit. Pas de temps à perdre d'un sourire, je suis de nouveau sur pied. Le par contre, ta barbichette, mon gars... Peut-être bien le dernier. On doit il, pas a le il a pris un masque spécial, barbichette. Il a fait un petit trou. Il a fait un petit trou pour sa barbichette. Le petit trou pour la barbichette. Tu joues avec les fachos? Non, je suis pas avec. Je suis ni avec les fachos ni avec les communistes. Je suis avec mon propre peuple. Il fait froid. Je fais cavalier seul. Non, on fait pas cavalier seul, on a notre petit peuple. Tranquillou, à part. Désolé, je peux pas sans autorisation. Hé, hey, c'est lui. Laissez-le passer. Quitte à choisir, je prends les communistes. C'est vrai que les fachos, ils ont une petite tendance. Qui peut confirmer votre identité? Je crois que tu devrais faire un le stop débat politique est lancé. Bah, quitte à choisir, j'en choisis aucun des deux, hein, parce qu'ils sont tous... J'ai de la chance que les Rangers soient là. Mais pourquoi ils sont battus? Pourquoi ils se soucient? Allez, jetez donc un oeil. J'ai de place. Pareil qu'on trouve pas ça à Sparte. C'est la question. À Sparte? Ce qu'ils en tirent, personne n'a signé. Allez, soyez pas timides. Moi, je suis un Ranger de l'espace. À bientôt. C'est leur boulot. Les Rangers de police ont des trucs... Artyom, votre attention sur le quai, ouverture du sas. Qu'en général, ils sont plutôt chiches avec leur argent. Bah, sur le papité, le communiste a beaucoup de choses, mais ça a tendance à partir en dictée. dans ce jeu, ni l'un ni l'autre, les deux ont l'air de vouloir me brûler à coups de lance-flamme. En d'autres temps et d'autres lieux, ce qui est arrivé aurait pu changer nos vies. Mais pour nous, il n'y a que le présent. Et seul le métro existe. 96% des voix. Évidemment. Je dois me dépêcher de retrouver le centre. Marche pas. Anna doit prévenir son père de ce que font Corvus et Moskvin. Je rebranche.
Le reste est un luxe que nous ne pouvons pas nous offrir pour l'instant. Les casques bleus. Oui, nous, on est un Ranger, non ? Bientôt, les chefs de Hansa, de la ligne rouge et du Reich se rendront en police pour trouver un accord sur D6. Mais je connais bien les hommes, Arthur. Les Rangers. La guerre est aussi certaine que la nuit. À moins d'un miracle. Passez ! Ok, je passe. Bon. On n'attrapera pas le train avec le sombre le long de ce tunnel. Mais il y a un autre passage. Quand il y a du bordel, on t'appelle, tu ranges. C'est bon. Oui, c'est exactement ça. Est-ce que vous allez à la police ? Non. Ouvrez le tunnel interligne pour moi. Mais l'interligne est un cul-de-sac, et c'est très dangereux. On va dans l'interligne. Un cul-de-sac. On prend le métro 9. C'est la route de police. Ouvrez. C'était quoi ? C'était quel métro où ça a commencé le Covid ? Je crois le 9 ou le 6 ? Allons-y, Arthur. Genre les premiers cas à Paris. Faites attention aux éoliennes ! Faites attention aux éoliennes ! Ok. Ah oui ! Ce type d'éolienne ? T'es où ? Ah, tu vois, c'est pas un cul-de-sac. C'est ce que disent les dirigeants de Hansa pour décourager les gens d'entrer dans ces passages. Sans préparation, on pourrait facilement. J'ai pas noté l'emplacement de la barque qu'ils ont laissé. Merde. Tant qu'on reste ensemble, y a pas de danger. Ben, je me rappelle que c'était un des métros que je devais prendre pour aller à mon école. Je crois que c'est le 6 ou le 9. La plupart des gens croient que le métro n'est fait que de tunnels et de stations. Que c'est un conglomérat sans vie créé par les humains. Il y a un endroit spécial dans le métro. Oh, l'endroit spécial dans le métro. N'en viennent jamais. C'est l'endroit où on trouve tous les SDF. Du destin parce qu'elle peut changer. Ah oui, c'est là où il y a tous les SDF. Elle nettoie la vase du passé et offre la chance d'un nouvel avenir. Je suis une survivante. T'es plus allée à l'école. Bah non, je suis plus allée à l'école après. Non, j'avais cours en distanciel, moi, après. Si un homme entre dans la rivière en quête d'une chance et qu'il veut vraiment changer, il peut être transporté à l'endroit et au moment où on lui accorde cette chance. Tu es élu Dridir. Un privilège. Une privilégie, pardon. C'est la seule chose qu'on doit demander à la rivière. On doit trouver le sombre. Le métro est une chose qui vit et qui respire. Non mais là, oh putain, ça y est, il retourne dans son délire. Et un esprit. Oui, le métro a un cœur et une âme. Et puis quoi encore ? Les Parisiens sont contents parfois ? Ça va pas ? Attends, là. Non mais ils racontent des foutaises, c'est pas ma faute. Les Parisiens sont respectueux ? Ah ! Ça, c'est aussi le métro qui vit. Et peut-être que le métro, comme le métro vit, il prend l'énergie des petits gens qui rentrent dans le métro. Il faut qu'on fasse attention. Bah, je veux bien faire attention, moi, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est le monde qui veut pas de moi. Ce lieu est abandonné. Je me doute. En Bretagne, ils deviennent beaucoup plus respectueux quand ils viennent. Non. Mm-mm. Désolé, mais quand un Parisien vient en Bretagne et qu'il dit « Ça sent l'air marin, non ? Faudrait peut-être que je me plaigne à la mairie. » Je peux porter plainte contre la mairie, là. Il y a un peu trop de vent venant de la mer. Quoi ? Comment ça, il y a des animaux ? C'est quoi, ça ? Le chant du coq ? Ça se mange ? Aïe, aïe. Pousse-toi, tu vois bien que je veux passer. Ça, c'est ce qu'on appelle un screamer. C'est censé lui faire peur. Ah, ça aussi. Venez, on le laisse se battre. Ah non, par contre... Ah merde, j'ai obligé de me battre avec lui. Mais moi, je voulais te laisser te battre, mais apparemment, j'ai pas le droit. Ah,
Il n'y a pas de nouvelle loi pour ça, mais il y a des, il y a des mairies qui sont en train de passer de ce qu'on appelle des décrets, il me semble. Parce qu'il y a certains maires qui en ont ras le cul. Et des putains de citadins qui viennent et qui foutent le bordel à foutre des procès à toute la planète. Ouais, mais c'est plus que deux hors caméra. Let's go. C'est juste des monstres, rien d'autre. Moi je comprends. Genre c'est vraiment un des trucs qui me vénère le plus. Genre tu peux pas aller à la campagne et te dire « Oh putain, ça sent la vache, je vais aller porter plainte contre le petit paysan d'à côté. » Genre, on le fout où, le paysan, après ? Vu que t'es si malin, monsieur. Parfait. Il y a quelque chose derrière cette toile. Ah oui, il y a une porte. Il y a un gros trou, là, aussi. Ouais, mais la justice a déjà condamné des agriculteurs. Ouais, mais je trouve ça bête, aussi. C'est un signe. La grille est rouillée et mal attachée. Je peux prendre votre arme ? Non, j'en ai trop. Oh, quoi ? Oui ? J'arrive. 1, 2 Continue à les brûler, Arthur. Bah, je continue à brûler qui tu veux. Regarde. Être... Finalement, je suis du côté des fachos. Hein. On est tout prêt. Je me suis retournée dans la ferme de Damien, mon pépé, j'étais contente de sentir la bouse et des animaux. Bah non mais c'est... C'est la tectonique ça, je reconnais. Les ténèbres nous enveloppent. Il ne faut pas se perdre. Pas si vite. Et ne te laisse pas surprendre. Non, moi j'aime... Autant, genre, je suis pas trop... Bien sûr que ça me saoulerait d'entendre un coq tous les matins, mais si je choisis de vivre à la campagne, je m'attends à avoir des sons de la campagne, c'est logique. Tu peux décrocher, je crois que c'est pour toi. C'est ma maman. Enfin, je crois, elle m'a appelé mon fils. Ou alors, c'est mon nom de famille et je m'appelle Gaëlle. Mais je suis pas sûre. De quoi que c'est un gros cliché. Bah, j'ai des poules, elles font du bruit. Hein. Dès qu'elles ont pondu un œuf. Oh putain de ta mère, ça va pas. Ça fait combien de temps que t'es pas venu ici? On te voit plus souvent. Mais il est passé où? Mais comment t'as fait ça? Ouais, mais ils mettent pas entre du fumier sur les cultures tout le temps. Tu pourrais changer dans ton destin. Pense au sol. Plus loin, encore. Je serai lavé de mes péchés. Pense au sombre. Et la rivière la mènera à toi. Je veux le sombre. 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 J'ai pensé fort au sombre et il n'y a rien. Oh. Je pense que lui, il a pensé fort à un champ de weed. Hein. En tout cas, ça en a, la couleur pour l'instant. Goemon ? C'est quoi du Goemon ou Goemon ? C'est quoi là? C'est quoi le délire? Mais c'est moi! C'est moi! C'est moi ça du passé! Quelque chose? Oui! Oui, 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 voici oui, la oui, tour. Oui! Et en bas, c'est la ville des sombres. Je vois un peu flou, monsieur, vous avez pas des lunettes? Regarde! C'est toi! Mais oui, je sais que c'est moi! Mais oui, c'est moi! La rivière te nettoiera. Elle lavera tes péchés. C'était sûr, la rivière... Non mais c'est trop... Tu peux le faire. Non mais là on est... Genre il est en train de me de citer libre. Des trucs de la Bible. Et c'est quoi mon destin là? Je veux bien choisir mon destin mais je dois aller où? C'est quoi mon destin? C'est quoi mon destin? C'est quoi mon C'était destin? C'était chez eux. Et ils
ne reste que de la poussière et des cendres. Bah non, il reste de l'eau aussi. De la poussière, des cendres et de l'eau. Regarde, le voilà. Le sombre, on le suit. Bah je le suis autant que tu veux. Bouge de là, je suis mon sombre. Plus vite. Oh bah plus vite, hey. Tapis, c'est pas toi qui vas me dire comment on va vite, hein. Non mais on est en plein trip sous champi là. On doit pas le perdre. Là je dois pas le perdre, mais il est où? Je l'ai perdu. Je l'ai perdu, je suis désolée. Personne. Un cul-de-sac. C'est là que t'as failli l'attraper? Oui, monsieur. Tu dois réessayer, Artyom. Je réessaye quoi, mais... Le sombre! Il est toujours dans ce cirque de monstres! Dans le train! Regarde! L'ombre, c'est une grenouille? Oui, c'est une grenouille. Je suis en train de chasser les grenouilles. Vous avez jamais fait ça quand vous étiez enfant? Ah, la chasse à la grenouille, je l'attrape par les... Plus vite, allez. Ouais. Le train. On l'a presque rattrapé. Mais bouge de là, saute. Merde. Il va me jeter? Il me jette dans le vide? Attendez. Il y a des trucs pas très clairs. C'est pas clair, on chasse la grenouille dans le train. Et on se jette dans le feu. Ça paraît très clair. Et j'ai mon cœur qui bat. Il bat la chamade pour toi, ma petite grenouille. Oh, tu as des beaux cuisseaux, là. Mais je veux pas mourir tout seul. Il est trop vieux pour mourir tout seul. Alors, retour dans la cuvette des toilettes. C'est pas vrai. La rivière a failli m'avoir cette fois. Ah bah... Oh. Ouais. Ça fonctionne. On est de retour dans le désert de la réalité. Poste 13, répondez. Alerte maximum. La rivière, le son répète, très bien. Alerte maximum. Il est sûrement pas trop. Rouge repéré. Mais il est... Mais t'es perché, mon gars. Pourquoi je traîne avec ça, moi? Alerte maximum. Je demande à changer d'amis. Pitié. Trop tard. Ah, trop tard, comment ça? Je peux pas changer d'amis? Mais s'il vous plaît. On change. Poste 13, répondez. Non. Alerte maximum. J'ai envie de prendre cette arme. Maximum. Mais contre laquelle? Rouge. Celle-là, je la garde. Ah, je ne sais pas. C'est un fusil de précision, de toute manière. Non, je vais garder mes trucs. Allez, let's go. Mais le train va bientôt approcher. Quoi? Je suis trop vieux pour ces conneries. Oh, genre, mais ça a été dit dans trop de trucs, hein, ça. Allez, monte. Bah, je monte. T'as besoin de ce miracle, Artyom. Souviens-toi de tout ce que je t'ai dit sur le sombre. On doit le sauver. On doit le sauver. Et peut-être tous nous sauver. C'est dans l'arme fatale. Ah ouais? Attends, dans l'arme fatale. Ah oui, c'est le... Je ne l'ai jamais cru. Bah, c'est le vieux qui dit ça, ouais. Et ce n'est pas surprenant, mais Khan disait vrai. Quoi de jeune? C'est pas ma faute, hein. Au moment où j'ai envoyé le signal et détruit tout. Mais pour moi, il y a trop de films où ils ont mis ça. Et puis, elle m'a amené à l'endroit où trouver le dernier survivant de cette race. Je suis jeune. Essaye de te convaincre. Le train est quelque part dans le coin. C'est comme une impression. Mais il est perché, lui. Tu entends? Oui, j'entends un train, ouais. Voilà le train. On avait raison. Vite, il faut qu'on l'attrape. Bah vas-y, attrape. Encore deux. Feu.
pas gagner, je les laisse pas gagner. Hein. Non merde, c'est pas ce que je voulais faire. On arrête le train. Voilà. Je tiens bon, je tiens bon. Les voies vont converger, faut pas converger les voies. Je comprends rien. Et arrête le train. Je vais essayer de suivre. D'accord. Je libère le sombre et j'arrête le train. Allez, allez. J'y vais, j'y vais. Nanana. Au hasard. Oh là là, mais que tant de muscles. Bon, allez, bonjour. C'est ici qu'on se fait des copines ? Parce que j'en ai un peu marre d'être avec le vieux fou. Bon, c'est pas comme ça qu'on se fait des copains. Alors attendez, j'ai du mal ! J'ai pas dû me faire de copains depuis longtemps. Donc c'est compliqué pour moi. Faut que je réapprenne les bases. Va dégager celui-là. Il est où le son? Ah bah il est là. Bonjour. Tu devrais partir. Moi à ta place, je serais parti. Oula. Vos titres de transport, s'il vous plaît. C'est moi ou c'est lui le garde du corps? Je m'appelle Groot. Je s'appelle Groot, mais version extraterrestre. Hein. Enfin, version moins arbre. Plus caillou. On va dire que tu es... This is my mother. Arthur, mon chéri, tu as tellement grandi. Maman, j'ai peur. N'aie pas peur. Il n'y a rien à craindre maintenant. Non, je suis pas en mode facile, je suis en mode normal. Je suis tout seul maintenant. Tu n'es pas seul. Tu es le premier. On s'est souvenu de toi et on t'attendait. On a pu se rappeler toutes les pensées de notre race. Et tu as tué tout le monde. Maintenant, je suis seule. Oh, je suis un connard. On prend le cadavre. Tu n'es pas seule. Jean-Edouard, tu es le premier de ta classe, nuance. C'est pire. Tout le monde te déteste. Je n'ai bien sûr pas pu le tuer. Et tant que je serai vivant et que mon cœur battra, je le protégerai. Khan dit qu'il pourra nous servir à stopper la guerre. Oui, il peut provoquer des miracles. Mais je ne veux pas me servir de lui. Sa guerre a pris fin lorsque j'ai lancé des missiles sur sa maison. Je suis une... Sur sa famille. Une horrible personne. Oh, j'ai le cadavre. Enfin, le cadavre. Soi-disant, il est vivant. Il brûle, là. Là-haut. R.
voir. Au-dessus. C'est bien. Ici. Lumière. Tout autour. En bas. C'est dur. Respirer. Difficile. Me laisser partir? Tu changes. J'ai pas changé, ok? Je me suis rendu compte que j'étais stupide. Je serai là, dans la lumière. Mais je resterai près de toi. C'est Diddy Kong. Diddy Kong qui a pris... dont on a brûlé le cadavre. Il a pris cher, ton Diddy Kong, là. Oh, fichtre. Toujours des gens pour m'embêter. I am your mother. Sans les ennemis. Non, je suis pas là, vraiment. Nanana. C'est bien les headshots. Oh, vous me saoulez. Allez voir ailleurs si j'existe. Oh, bordel. Je vais t'aider à voir. Oh, bah aide-moi à voir, ouais, tiens. Merci. Mais là, je vois moins bien que d'habitude. Tu pourrais les faire d'une autre couleur quand ils meurent ? Ça serait sympa. Les voir arriver, oui, effectivement, une balle, une mort. Ouais, mais j'ai pas. J'ai que 11 balles, ça va pas le faire. Toi et les autres, vous êtes forts. Tu peux tuer n'importe qui. Oui. Je viendrai avec toi. Oh. Tu connais une chose. J'en ai besoin. Je connais une Comprends chose pas encore. Quelque chose d'important. Le langage humain ? Genre faire des phrases correctement au niveau grammatical. Ah non, qui vient me faire chier? Oh, fichtre. Oh, fichtre. Je m'en vais. Je sais pas où je dois aller. Mais ça peut pas être là-bas. Ça peut être là-bas? Non, ça peut pas être là-bas. Bah ouf. Bon bah c'est vraiment par là. Bon bah on va courir. J'aime pas quand ça craque de partout. Ah c'est par là-bas. Ah bah moi aussi hein. Ah mince. C'est moi la nourriture. On peut pas échanger. Des vêtements. Bah oui, on est pas nudistes. Moi aussi. Je veux être comme toi. Eh ben, tant mieux, on va t'apprendre à avoir des vêtements. Merde. Non, c'est bon, tout va bien. Tout ce qui est différent, on le tue. Hey, t'es un bon humain, toi. Bon humain de science-fiction. Mais c'est pas toi qui a dit un truc, c'est... Oh, fichtre. Ah ouais, la compréhension grammaticale, là. C'est la fatigue.
Il y a de la fatigue accumulée là. Regarde. Oh, je suis comme toi. Mais t'es trop classe avec comme des ça. Vêtements. Mais je kiffe. Il est trop mignon. Où va le monde, où va le monde. On y va là. Bah, je tire pas quand je suis pas obligée. Mais regarde ce que ça donne. Non, je vais pas tirer tout le temps. Vous êtes des malades. Oh là, ça va se calmer. Modo réveillé. Attention. J'attends, j'attentionne. Aïe aïe. J'attentionne beaucoup là. Oh fiche. Ah non hein. C'est non. Je vous dis non. J'ai dit non. Oh, Batman est mort. Oh, c'est pas de ma faute si Jean-Edouard est mort hein. Je vais être à la bière, let's go. Je dois aller par où moi? Par là. Sur le bus. Allez, on bouge les crevettes. Je suis pas là. C'est pour les faibles. Bah, je serai faible alors, ça me va. Vos maisons très hautes, vous avez fait la ville très grande. Pourquoi ton peuple est en bas maintenant? Pourquoi si peu nombreux? Alors, je vais t'expliquer une chose. Quelles que soient mes intentions, il n'y a pas de maman, il n'y a pas d'enfant. Le petit sombre a l'air de s'en ficher. Il continue à me suivre comme si je ne l'avais jamais pourchassé. Comme si nous étions liés par le destin. Nous sommes liés par le destin, ne t'inquiète pas. Il faut partir. Tu les vois pas? Tu vois rien? Bah non, je vois rien. Rouge. Dangereux. Rouge, dangereux. Je viens de croire. Aïe, aïe. Il y a un peu trop de rouge. Oh, mais moi je fais quoi? Genre je suis obligée d'aller là. Est-ce que je peux les assommer eux aussi? Apparemment non. Dangereux, tu peux pas me les remontrer, s'il te plaît? Il est juste gros. Des ailes. Mais non, c'est un petit enfant. Rouge. Forte. Bah oui, fort, fort, ça. Je vois ça qu'il est fort. Regarde. Il y en a plein. Ouais, ben, ça m'arrange pas cette histoire. Et ça fait, c'est censé me faire quoi qu'il y en ait plein? Je veux bien être pacifiste, hein, mais au bout d'un moment, ils vont me bouffer, quoi. Voilà, suffisait de demander. Bah oui.
faut aller où? Faut pas aller là, c'est ça? Merde, c'est pas par là. Ah, peut-être là? Non, non, bah non, bah non, bah non! Il me laisse tranquille, j'ai l'impression, donc je vais se passer comme ça. Ils sont en train de dormir. La pionce. Attendez, je suis pas sûre qu'ils sont en train de dormir ou si c'est pas moi qui est en train de m'étouffer. Je crois que c'est moi qui étais en train de m'étouffer. Mais lui, il respire pas là? Non, il est mort. J'ai trop de balles. Bah, let's go par là. Aïe aïe, je suis pas là. S'ils peuvent me laisser tranquille, ça serait vraiment chouette de leur part. Pourquoi ils me laissent tranquille comme ça? Je vais me faire bouffer à quel moment? Alors si vous me bouffez, j'aimerais être accompagné de petits marrons et d'haricots verts, s'il vous plaît. Moi. Ah, l'échelle. Ah, c'est pour ça qu'on vient ici. Mais je comprends pas ce qu'on fait là. En vrai, t'as juste à être gentil, les laisser bouffer. Moi, ça me dérange pas, hein. Bouffez ce que vous voulez, tant que vous me bouffez pas moi. Ni le petit gamin apparemment parce que je l'aime bien. Ah. Ah. Bonsoir. Bah lui il va s'en charger lui, non? Non. Non, non, pas moi quoi. Genre t'as de la bouffe, pas moi. Quel petit bâtard. Je vais te distraire. Non, non, ne distrais pas, toi, tu vas mourir. Il est grand, mais stupide. Il est grand, mais stupide. Les ailes sont très rapides. Mais je travaille. Oui, bon, on travaille tous. Parfois, je vois une porte. Quelqu'un t'appelle de là-bas. Pourquoi ? Bah, c'est que je suis en train de mourir. C'est la porte de l'au-delà, et c'est ma maman. Nous arrivons à police. Ensemble. Advienne que pourra. Le petit ne voulait pas partir. Quelque chose le retient, je ne sais pas encore quoi. Enfin, je suis content parce qu'il est utile. Bah d'accord, j'aime qu'il soit là, mais juste parce qu'il est utile. Le reste, je m'en bats les reins. Petite tempête là. Quelqu'un là-bas. On voit rien d'ici. Ah non, on voit rien, je t'assure. C'est peut-être quelqu'un de gentil. Bonjour. Vous êtes gentil? Bah non, c'est pas là. C'est là que tu veux que j'aille? Je suis pas sûr que ce soit là. Il moussine comme on dit par chez moi. C'est mignon dit comme ça. Moi je dis que là il drache. Mais ça vient du nord. Des gens. Des gens. Ils ont peur d'être attaqués, mais pas méchants. Ah, pas méchants, donc on peut y aller
Bonjour. Qui êtes-vous? Où est votre identification? Je déconne pas, là. Ah, merde. Bon, tout va bien. C'est bon. C'est un ranger de police. Vous êtes bizarre dans le Nord et en Belgique. Eh bah, bien sûr qu'ils sont bizarres dans le Nord et en Belgique. Mais ils sont encore plus bizarres en France, non? Moussiné, ça veut dire la petite pluie toute fine et légère. Ah, moi, genre la petite pluie toute fine et légère, j'appelle ça crachouille. Ça crachouille. Mais enfin, vous n'avez plus de place. À très bientôt. À très bientôt. Des gens droit devant. Ils nous attendent. Ils veulent tuer. Et vérifier toutes les entrées, toutes les égouts et tous les trous. Vous devez connaître cet endroit comme votre poche. Oui, camarade lieutenant. Allez-y. Bon bah. On a des blessés. Attention. Les blessés sont. Je pense pas que c'était la bonne opération à faire. Qui m'attaque? Ça m'attaque d'où? Je vois plus rien. Je voyais plus rien. Ah, ça m'attaquait d'où? Bon, peut-être qu'il faut être un peu plus discret. Ou alors, il faut se tuer tous. Ils veulent tuer. Ils ignorent qu'on est là. Je vais les démonter alors. Si... Allez-y. Mais moi je vois pas tout là. Bon là de nuit. Et ici non plus. Personne ici. Oh putain, ennemi repéré. T'es chier. Putain, t'es chier. Je veux des balles, moi aussi. Tu vas me le payer, fumier. Bah allez-y, vous venez me le faire payer. Je vous en prie. Vas-y, viens, 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 viens. Laisse-toi faire, mon gars. Il va mourir. C'est bon. That's it. Alors, on va récupérer les balles. Nanana. C'est la seule à préférer faire du tir de précision avec un pistolet plutôt qu'avec un fusil de précision. Et j'ai pas de fusil de précision, mais j'ai la flemme d'en prendre un. Sinon, ça veut dire que j'ai que 3 balles max. Enfin, 3 armes max. Donc oui, je vais faire ça avec un pistolet. Elle vit dans son monde à elle. Vous êtes juste jaloux. Si vous voulez, je vous inclus hein, dans mon monde à moi. Dans mon monde à moi. J'ai vu que t'avais ça. Bien. Je sais à quoi ça sert. J'en trouverai plus. Oh, merci. Tu peux ouvrir la porte ? Moi ici, j'aide. Pas toujours assez de force seul. On fait caca de la glace aussi. On peut peut-être encore attraper la caravane. Hé, les gars,
Moi, j'arrive bien à faire des têtes avec. Est-ce que c'est pas l'important finalement? Allez, on fait tous partie de mon univers, c'est parti. Vous pouvez faire du distance. Ah, j'ai plus qu'une heure avec mon masque. Tant que vous êtes à l'aise, vous faites ce que vous voulez de vos armes. Voilà. La main comme à des fillettes. Quels sont vos ordres? On doit infiltrer le dépôt et attendre l'arrivée d'un ranger et d'un... Vive la quoi, la République. D'autres gens nous connaissent. Très rouge. Très prêt à tuer. Très prêt à tuer. Bah moi aussi je suis très prêt à tuer. On va se faire gratter le ventre. T'auras plus qu'à me nettoyer les pompes de la même façon que t'embrasses ta mère. Avec la langue. C'est compris? Ben, let's go. C'est compris, chef. Chef, oui, chef. Bah oui. Mais... Attention, on a... Allez, où ça? Comment vous parlez? Faut faire gaffe. Non, il se cache quelque part plus. Ça ici. Oh, il force, là. On va leur faire payer. On doit venger notre cadre. Oh merde, c'est pour celle-là. C'est celle-là que je veux d'armes. Vas-y, sors de ton trou, toi. C'est bon? Ah, je change le mauvais truc là. Parfait. Ah, parfait. Le fusil de chasse à distance. Oh, on fait ce qu'on peut. Mais il a pété. Il est mort en pétant. Paix à son âme. Allez hop. Mais il a vraiment pété en vrai. J'ai entendu un bruit là. Ces gens, tu parles d'eux, hein, on est d'accord. N'importe quoi. Donc on est les rangers au milieu. N'importe quoi. Les fachos. Encore eux. Noir et rouge. Ils ont peur. Noir et ils veulent rouge. Te tuer. Ben, ça tombe bien, on est deux à vouloir les tuer. Attendez quoi? J'ai rien compris à ce que je viens de dire. En vrai, ça se trouve, je peux passer tout le niveau à tuer personne. Je suis pas sûr qu'il est mort celui-là.
Hello Kinga, bonsoir. Non mais ils sont relous là. Ah merde, attendez, je recharge s'il vous plaît. Voilà. Oh non, mais non. Non, fais chier. Non mais le Reich, le fou. Oh non, je l'avais pas, non, celle-là. Tu peux faire le jeu en tuant une seule personne, c'est dans les trophées. Ouais, bon, la flemme, hein. Oh non, je dois tout recommencer. J'ai dit non. J'ai pas envie de... On peut pas, genre se dépêcher le coquillage, là. Encore eux. Noir et rouge. En rouge et noir. Non, moi aussi, j'ai peur. Mais c'est pas une raison. Passé. Je sais pas où je dois aller. Qui est là ? Le roi qui est ici ! Oh merde, c'est pas par là ? Il me laisse son masque ! Tu vas me suivre, ça chien ! Oh le chien, il en a marre ! Je suis perdu, je sais pas où je dois aller. Ça doit pas être par là. Par où que je dois aller? Ah, peut-être par là, mince. Je suis pas sûr, mais je crois que ça tire derrière moi. Allez. Tu le connais. Il te connaît. Je le connais, il te connaît, nous le connaissons. Hé, hey, c'est conjugué, hein. Là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, on est dans ses souvenirs. Salut les Spisky, tout se passe bien ici? Bien sûr, il se passe jamais rien à D6. J'ai rien compris non plus. Demande même pourquoi on doit monter la garde. Je dirais que c'est important. J'ai pas compris. D'accord, position prise. Compris. Parfait, Lesnitsky. Maintenant, c'est votre tour, camarade Morozov. Il faut tester ce virus qu'on a pris tant de risques à récupérer. Ouais. Il paraît que vous avez des associés adaptés à la tâche. Ouais, Czeslaw Andreevich. Il vient de Nice. Ces bandits croient que je suis l'un d'entre eux. Et si on les paie... Épargnez-moi les détails. Seuls les résultats comptent. Votre mission est claire, camarade Lesnitsky ? Oui, très camarade clair. Général. Je dois trahir, 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 trahir. Partir comme ça ? On verra ça. J'ai Il un atout. De... Toi. C'est une autre manière de draguer, ça, ou j'ai pas compris, là? Chargez-vous-en, alors. Vous, vous allez vous charger de la place rouge, Pavel. C'est la zone la plus critique et je ne peux faire confiance à personne d'autre. Ne me laissez pas tomber. Compris, camarade général. Intéressant. Je le taquet dans la gueule, ça, c'est pas prouvé que ça marche, merde. Je comprends mieux pourquoi les gens ils me poursuivaient en justice.
Il est très mauvais. Mais t'as raison. Tuer, c'est pire. Eh oui, mon petit. J'ai tué 15 millions de personnes, mais c'est cette ordure vivante. No way. Mais je vais où? Je fais quoi? Qui sème le vent récolte la tempête. Ah, c'est philosophique le son m'en a aujourd'hui. Hein. Les pensées de Lesnitsky. Je sais tout ce qu'il sait. La guerre fait déjà rage dans sa tête. Les graines semées par Corbut ont bien porté leurs fruits. Une conférence pour la paix est organisée à Police. Si jamais il revient pour te péter la gueule, je spamme de chez... Ok, je te... Tu pourras même dire la fameuse phrase « Je te l'avais bien !» Tous ceux qui essaient de l'arrêter peuvent aussi bien tenter d'arrêter une tornade à main nue. Je dois atteindre Police pour dénoncer les menteurs. Et affronter la tempête. Allez, affrontons la tempête, la tempeste. Des ombres, là. Ne vois rien, n'entends rien. Vivante et morte à la fois. Ok, bah moi aussi je suis très étrange. Un peu vivant et mort à la fois. T'en auras besoin. De quoi? Besoin de quoi? Oh, Pipou! Mais qu'est-ce qu'il est sympathique! Cherche un autre humain. Pas comme toi. Une femme? Oui, une femme. Une mère. Je te permets pas de lire dans mes pensées, Arthur. Il est sous ma gueule, lui. J'arrive pas à passer. Un peu de mort pour tes ennemis. Un peu de mort? Oh, Pipou! Je suis pas loin. Bah oui, mais... Oh, mais t'es adorable! Mais qu'est-ce qu'on a fait tout ce temps sans lui? Le mec te dit que tuer c'est pire mais te file des balles. Oh, hé, on va lui apprendre aussi les problèmes consécutifs. Bref, les problèmes. Aïe! Ah, c'est peut-être pas là-dedans que je dois aller. Je dois pas aller là-dedans? Ben ouais, mais je vais par où, moi? Je suis perdue. Je suis perdue. Vers les cris de bébé? C'est peut-être par là. Étrange. Je vois mal avec ses yeux. Je vois mieux les ombres. Oh, c'est trop classe. On a la vie des gens passés. Faut bien se défendre, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que tu... la danse de l'ombre, la danse des vaisseaux sanguins. Et ouais, mon pote, ananana. C'est la danse. Allez, hop, trêve de plaisanterie. Bouge ton boule. Move your body, bitch. Oh
merde. Aïe aïe. Des bêtes droit devant. Elles ignorent notre présence. Elles ont faim. Bah oui, mais c'est les enfants, je suis pas sûre qu'elles vont ignorer ma présence très longtemps, hein. Voici un peu de vie. Un peu de vie? Je serai tout prêt. Bah, j'espère. La mort. Il aura choisi la mort. Attends, je remplace mon truc là. Pousse. Il triche. Toi aussi t'as choisi la mort. Non, c'est pas la mort qui a assassiné Marcia. C'était moi depuis le début. L'héritage. Parce que c'est moi qui ai déclenché les missiles sur ta famille. Ah, il y a quelqu'un qui tire. Ah, il fait tout sombre. J'ai trouvé ça, mais c'est bien visé. Qu'est-ce que tu dis? Ah, merci. Je reviens vite. Merci. Oh, putain de sa mère. Oupsie. T'aurais pu me prévenir qu'il y avait une bombe. Ah oui, pardon. Oh, mais vous me saoulez. Je vois pas tout, moi. Les champs près d'ici sont en bon état. Mais dans l'ensemble, c'est plus réjouissant. Bah oui, mais je sais pas où aller. Fistre de ratatouille. C'est par où la sortie? Ah non, hein, on a dit non. Bah pourquoi ils sont bleus? Bah il est plus bleu. Il est tout rouge. Je sais pas trop où je dois aller. On va là-haut, avec l'échelle. Maintenant je connais ce mot. Oui. La personnalité change avec la voix. Attention. Non, quand même pas. Bah t'aurais pu le dire plus tôt. Bah dis donc. Pas très efficace le môme. Oh, vite, cours, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Il comprend pas qu'il est mort. Il attend toujours sa mère. Ah bah moi aussi j'attends. Bah je suis tombée dans le trou. Je ne comprends pas où c'est que vous voulez que j'aille. Ah, par là. Bah d'accord, mais ensuite... Je vois rien, moi. Ah,
C'est pas une ombre. C'est toi. Il y a très longtemps. Ok. T'as plusieurs vies dans ta vie. Oui. C'est ça. Tu peux pas utiliser ma lampe. C'est interdit par le syndicat des Lucioles, apparemment. C'est bon. C'est pas une très très bonne idée d'aller au bout du couloir avec la lumière, non? Je ne connais qu'un chemin pour rejoindre ce lieu depuis Polis. La place rouge. L'ordre a un avant-poste dans la cathédrale Saint-Basile. Je vais contacter nos hommes et leur dire tout ce que je sais. Mon objectif ne sera plus qu'à quelques pas de là. Tout okay. sera bientôt fini. C'est dangereux ici. Pas comme avant. Je le sens. Et je serai avec toi. Ah, trop sympa. Je te dirai quoi faire. Tu le sens aussi. C'est plus facile de me comprendre. Est-ce que c'est le centre? Tous les chemins mènent ici. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas partir. On est enfin à Rome? Ah, mais ça, c'est... Ils sont ici depuis trop longtemps. Ils sont nombreux. Et ils savent. Ils savent ce qu'on ressent. Ce ne sont pas les rouges. C'est chez eux. Sur l'arbre. C'est les rouges. Il n'y a pas à être aussi vénère. C'est le Taj Mahal, ben oui. C'est dangereux ici. Pas comme avant. Je le sens. Et je serai avec toi. Je te dirai quoi faire. Tu le sens aussi. Ah, mais j'avais pas vu les mains tout à l'heure. Est-ce que c'est le centre? Tous les chemins mènent ici. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas partir. De quoi? Ils sont ici. Au pire, je vais au jeu. Ils sont nombreux. Et ils savent. Ils savent ce qu'ils sont. Ce ne sont pas les rouges. Mais pas du tout. Je me faisais chicoter par les mains qui étaient en bas. Ils ont peur. Pour leur maison. Peur de toi. Ils te connaissent. Tu peux y aller ou pas? Apparemment non. Ouais, j'ai pas le droit d'aller là. L'ombre, elle arrive. Vite. Vite. Vent. Dangereux. C'est sûr ici. Il faut attendre. On va y aller. Non, 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 oui, il y en avait un, mais c'est pas lui qui me tuait. Faut arrêter d'être persuadé de trucs, là. Oh, bah, boss. Attendre. C'est bien attendre en cas de game. Oh, bah, je me suis noyée. Vent dangereux. Le vent, c'est sûr ici. Il faut attendre. Non, il faut attendre que le vent passe. Faut quand même... Ah, ok, je savais pas. C'est bon. La tempête recommence. Bah ouais, mais je vais où, moi? Ah bah, ça enlève la voiture, nickel. Ok.
T'es malade là? Ils n'ont pas survécu. Nous aussi. Il faut y aller. Et je vais par où? Par là. Va passer. Les DDM. Les chauves-souris tombent comme des mouches. Ne reste pas là. Je vais aider. Ne les dérange pas, Artyom. Reste près de moi. Ah bah je veux bien, hein, mais t'es un peu rapide. Ils sont là depuis si longtemps. Ils sont nombreux, mais tous très seuls. Ils ont peur et mal. Ils peuvent pas partir. Ils veulent qu'on reste avec eux. T'es pas obligé de partir aussi vite? Oi. C'est bloqué. Oui, totalement. Par où je vais? Je sais pas où je dois aller. Ah bah c'est par là. Artyom, il y a des gens mauvais. Beaucoup. Très rouges. Ok. Je dois en faire quoi de cette info? Ah, encore un! Pose ton arme sur le sol et mets les mains derrière la tête. Mais je rêve! C'est Artyom! Eh ben, il fallait bien que ta chance te lâche un jour. Tu peux ignorer l'ordre concernant la... Camarades, nous avons reçu des ordres spéciaux du camarade Corbut à propos de ce ranger. Nous devons l'éliminer. Bon, c'est pas simple. Ne reste pas là. Je vais aider. Tu veux m'aider comment? Je suis bourré. Assez. Fatigué. Ouais, mais genre... Ah, ok. Fallait peut-être que je les tue. Ouais, mais... On peut recommencer, j'ai pas compris. Bon, il a lâché son arme, j'imagine qu'il est mort. Je vais t'aider à voir. Ah merci, c'est sympa. Oui, bah t'inquiète, vas-y, repose-toi. T'as eu ta chance. T'aurais pu rester à la ligne rouge. T'aurais embauché. Encerclez-le! Tu veux pas m'aider encore à aller voir là que je chasse. Tu t'échappes, tu te ramènes ici.
Il devrait utiliser ta tête. Mais j'en peux plus. Il est où là, monsieur? Veuillez ressortir de la fenêtre. Ah et puis attendez, j'ai un filtre à changer d'abord. Ah, parfait. Vous êtes là maintenant. T'as cru que Corbus t'avait complètement oublié? Tu peux toujours rêver. Merde! T'as oublié! Mais t'es encore tiré! Bah oui, je suis encore tiré, encore heureux. T'aimes pas notre façon de faire. T'as pas voulu nous rejoindre. Alors tu vas rester ici. Oh, c'est quand qu'il meurt là? Oh, Artyom, ça commence à être lourd! Soldats, achevez-le! À l'attaque! Vengeons nos camarades! Oui, bah vengeons, ouais, vas-y. Venge. C'est comme ça que tu venges tes camarades, toi? Bon, le blindé, il me saoule. Il est coincé par ici! Je suis pas coincé! On doit venger notre camarade! Alors, t'as décidé de te montrer? Ah merde, j'avais plus de balles. Je me disais, mais attends. Je faisais de la merde. Aïe aïe. La panique, le stress. Alors, t'as décidé de te montrer? Aïe, mais je suis con. J'ai pas de balles, je prends l'arme que où je dois recharger. Alors, t'as décidé de te montrer? T'as du con, je te l'accorde. Allez, Ranger, tu es muté. Putain, costaud. Alors, tu viens finir le boulot ou quoi? Viens par ici. Allez. Mais on tire d'où là? T'es bien résistant toi. Pas en colère. Juste. Triste. Je comprends pas. Oh, un couteau! Je te reconnais là. Pas de remords! Ah, mais c'est mon amoureux! J'ai pas envie de le tuer lui. Qu'est-ce qui te prend? Tu lâches la créature sur moi? Tu parles d'un héros. Notre amoureux. Le test d'Octia Breskaya a été un succès. Le virus tue vite et meurt vite ensuite. Si on peut s'en procurer assez, on pourra nettoyer tout le métro. Oh non. Cependant, on doit d'abord s'emparer de D6. Camarade Morozov, nous n'avons qu'une chance d'y parvenir. L'ordre compte de bons combattants, mais ils sont trop peu nombreux pour couvrir tous les points d'entrée. Nos éclaireurs ont localisé une entrée mal gardée par le Kremlin. Tant que Melnik sera à la conférence pour la paix à Polis, il ne pourra pas diriger ses hommes. C'est à ce moment-là qu'on frappera. Oui, encore une semaine, et nous serons à l'aube d'une ère nouvelle. Artyom, qu'est-ce qui t'arrive? Artyom, décide. Tu pars. Tu aides. Décide. Bon, on va aider. Artyom, ne pars pas comme ça. Viens là, toi. C'est parce qu'on t'a aimé, hein. Pardon, je suis juste pas un criminel. Oui, bah pardonne-moi d'avoir tué toute ta famille aussi, si tu pouvais. Vaut mieux lui inculquer le pardon. Attends pour la conférence pour la paix. Il n'y aura pas de paix.
Juste la guerre. La dernière guerre. Maintenant, je connais les réponses à toutes les questions. Je sais pas si c'est bientôt fini ou quoi. La tête de Pavel a été une mine d'informations pour connaître les plans de Corbeau. Je suis fatiguée. Je pense que je fais encore celui-là. Et sinon, on gardera la suite pour la fin. Pour la suite. La fin pour la suite. Non, bon, bref, vous avez compris. Il va tuer davantage de gens. Mais non. Il va être frustré, il va se mettre à sauver des gens. C'est très étrange ici. Attends. J'attends. Ah bah j'attends pas en fait. Je dirais pas non. Ouais bon. Il faut que je voie. Avec mon talent ou avec le bot? Aïe! Qui m'a fait mal? Aïe! Mais qui m'a fait mal? Bon. Toi, tu vas vite. Oh, je sais pas. Oh. Oh, pardon. C'est pas là où je voulais aller. Je sais pas où je dois aller. Mais je sais pas quelle touche je dois spam pour sortir de l'eau. Est-ce que c'est par là? Non, ça n'a pas l'air. Normalement, je dois suivre les drapeaux ou les petites lumières. Bah voilà, les petites lumières. J'ai déjà abusé du mode difficile. Bon, je fais déjà les Dark Souls pour avoir du difficile. Aïe! Pas besoin d'être agressif comme ça, là. C'est ça la maman ours? Ah oui, on va pas se battre contre maman ours. Hein. On va éviter quoi. Oh non. Vraiment, je veux pas me battre contre maman ours. Pas maman ours. Elle protège ses enfants. Oui, bah je veux bien. Bah, protège-les, mais loin de moi, quoi. J'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal. Oh putain, non. On est un horrible monstre. Je vais partir. Je vais pas me battre. Oh, je suis obligée de me battre. Quelle bande de monstres. Vous croyez qu'on n'était pas obligé de se battre? Vous m'avez menti. Je suis obligée de me battre contre la gueuse là. Ou alors. Ah putain de ta mère. Mais je veux partir, j'en ai marre, je veux pas me battre. Pas que ça a foutre. Hein.
ben voilà, elle va mourir. Elle protège son dos, c'est son point faible. Non mais non, oh, rechargement au meilleur moment là. Ils vont me lâcher les Minmoys aussi. Mais lâchez-moi là, j'en peux plus. Les ours, les trucs de merde. Tenez, cadeau. Non. Lâchez-moi, j'ai dit. Ah c'est bon, elle fuit. Enfin. Allez hop. C'est cadeau ça. Ah non, par contre on n'est pas dans la bulle là. On n'est pas des animaux nous. On va laisser la maman tranquille maintenant. Défendre son petit, mais qu'on blesse tranquille. Allez, let's go. Elle doit fuir. Ah oui, 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 oui. Tu as aidé d'abord. Bah oui, je veux l'aider. Elle protège que ses petits. Artyom, par ici. Si j'avais le choix, je me serais pas battu avec. Dieu merci, t'es vivant. Tu as amené un ami. Attends, mais c'est. Artyom, cet enfant devrait pas être là sans masque à gaz. Mais bon sang. Oh. Ah, c'est donc ça, voilà. Un enfant de la surface, un sombre. Non, il ne le tuez pas, Melny. Alors éloignez-le de moi. Mais laisse-le tranquille. J'aurais dû me douter. Celui-ci est vert, mais celui-là est jaune. Il craint quelque chose. Il ne craint rien. Tu crains rien. Il s'adapte bien. Ouais, ça va l'aider à vivre. Je peux lui parler, Artyom. Colonel Melnik, n'ayez aucune crainte. Mais les monstres se nourrissent de quoi le futur. Parce que bon, il n'y a plus d'humains. Bah, ils se nourrissent entre eux. Mes mains sont déjà pleines. Je doute que cette créature nous aide. Mais vous deux, partez sans moi, avant que je change d'avis et que je l'élimine. Comment c'est ? Oh ! J'arrive à entendre ce qu'ils pensent. Et toi aussi, Artyom. Oi, 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 oi. Tu peux entendre les pensées des gens rien qu'en les touchant. Avec Artyom, c'est différent. On peut parler à distance. Il a été adopté il y a longtemps. Tu comprends, Artyom? Les sombres t'ont changé afin qu'ils puissent nous comprendre. Y a quoi derrière la porte? T'as entendu? Ils t'appellent. Je les entends. Ouvre vite. Bah, j'ouvre, j'ouvre. Mais... on dirait une des portes scellées de D6. Oui, AVDNKH. Son verrou est gros. Mais il faut le casser. Tire quoi derrière tout ce qui bouge. Bah, tu bouges, toi. Allez, on tire dessus. Oh, l'armée. Ils sont dedans. Ils dorment. Je vais aller là. Je vais aller là. Incroyable. Moi. Ils hibernent. On peut y aller. Il est pas tout seul. Et pas tout seul. On n'est pas tout seul. Il est temps pour eux de vivre. On va tous entrer là-dedans. On va ouvrir la porte si on peut. Il y a... la mort. Tout près. Tout autour. Mais je dois les réveiller ou je serai seul à jamais. Ah oui, on n'est pas tout seul, t'inquiète. Bon, écoute. Aide-nous et on t'aidera. Ouh. D'accord. Oui, ouais, oui. Que faut-il faire? Je dois les réveiller. Bon, on doit ouvrir une porte. On va devoir improviser. Hé hey. Réveillez-vous, Arthur!
Colonel, vous pouvez ouvrir la porte au bout de la ligne des jardins à D6? Vous avez le code? J'ai tous les codes de D6, mais je te promets rien. Il faudra bien. Il va nous aider à police si vous le faites. Emmenez-le alors, et tenez-moi au courant. Si je suis sûr qu'il nous aidera, j'ouvrirai la porte. Il a grandi, non? Il n'était pas plus petit avant? C'est peut-être parce que j'ai l'habitude de le voir en Gollum. Bon... Il n'est pas seul. Je m'arrête là. Ce n'est pas le dernier. Je comprends son excitation et son désir de voir les autres plus vite. De les libérer et de les réveiller. Non, mais on écoute. Il a accepté d'attendre encore un peu. Il va d'abord essayer de nous aider. Je pense qu'on finira, c'est sûr même, si on finit la prochaine fois et on commence le prochain. Le sombre pourra ouvrir les pensées de Mosgvin ou de Corbe. Le dernier, du coup. Et peut-être leur faire arrêter cette folie. The Last of Us. Non, j'ai encore d'autres trucs à faire avant. calmos. Je vous fais un petit raid et puis on va s'en aller sur ça. Ah, et bah oui, allez, hop, 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 faut finir le jeu. Hein. Je vous envoie chez Ifco et moi, je dois partir peut-être que... Oh, si, peut-être. Oui, on verra. Hop. Et on verra si on fait The Last of Us quand on aura fini, du coup, Métro. Bonne soirée, des bisous à vous. On se retrouve très vite. Du coup, Ifco, il est sur Borderlands, The Pre-Sequel. Je ne connais pas du tout, je connais deux noms seulement. Je vous souhaite une très bonne nuit et à très bientôt. Tchuss.